Yes, Muhammad. Oui, Muhammad. Hello. Yes, Muhammad. What do you want Alors, to say to us? bonjour, qu'est-ce que tu veux nous Yeah, dire? I just want to clarify. You said the Jamarat in Mecca is at the house of Satan. So who is That's the in who? Non, je veux juste clarifier puisque tu as dit que Al-Jamra, c'est la maison de Satan, là où on fait la lapidation. Who live there? Then who? What is Jamarat? Oui, mais qui vit dans cette maison-là? Qu'est-ce que les Al-Jamra, la lapidation de Satan? No one lives there. It's a place where the stoning ritual happens. Really? What? Oui, personne ne vit là-bas. C'est juste un lieu, un endroit où nous avons choisi pour, qui est choisi pour la lapidation de Satan. What? Because Hold on. So, if you know that Shaitan is not there, you are stoning who? attends. Si vous savez que Satan n'habite pas là-bas, mais vous, qui est-ce que vous lapidez? We're not stoning anyone. Nous lapidons personne. It's a symbolic ritual. What's important? Ah, c'est juste un geste symbolique, hein? Des rites symboliques. What's symbolic of what? I mean, why you to have to go to a certain place? Symbolique de quoi? Pourquoi est-ce que vous choisissez, vous devez choisir partir dans un certain endroit And you have to say certain words et vous devez prononcer quelques des mots qui sont bien calculés? in that place. I mean, if Shaitan is everywhere, Vous devez répéter ces mots-là dans cet endroit-là. Donc, si le diable est partout, so what the point of going certain place and then we have to throw 13 rocks? maintenant, à quoi ça sert de partir à un certain endroit et jeter 13 cailloux? Pourquoi? All right, give me 2 minutes, I can explain it to you. Okay, go ahead. Donne-moi 2 minutes, je vais t'expliquer ça. Ok, ça va? So Imam Ghazali, he's one of the scholars of Islam. He says in Ihya Imam Ghazali, qui est l'un des savants de l'islam, il a expliqué ça dans un livre. He says, as for the stoning of Jamarat, the purpose behind it is to follow the command and manifest submission and servitude to Allah. Il dit que la lapidation, le rite que nous faisons, c'est pour donc respecter ce qui avait été donné, hein, ce qu'on nous avait dit. Of Islam, he says in Ihya Ulumuddin, he says, as for the stoning of Jamarat, the purpose behind it is to follow the command and Donc le but, c'est poursuivre le commandement manifest submission and et manifester la soumission servitude to Allah. And then et la servitude envers Allah. he goes on to say that it's also the aim is to imitate Ibrahim Islam. Et continue, il dit que nous faisons aussi pour imiter Abraham. Iblis, Satan came, appeared to him in that place to instill confusion. Puisque Satan était apparu à Abraham dans cet endroit pour semer la confusion dans la foi d'Abraham. He goes on to say that it's also the aim is to imitate Ibrahim Islam when Iblis, Satan came, appeared to him in that place to instill confusion in his mind or tempt him to sin, and Allah commanded him to throw stones at him so as to drive him away and dash his hopes. If you ever Donc Satan était apparu à lui pour détruire même la confiance qu'Abraham avait. Et Satan avait essayé de tenter Abraham dans cet endroit-là. think that Satan appeared to him and he saw him and that is why he stoned him. Et Satan était apparu là. Et c'est pour cela qu'Abraham avait lapidé Satan là-bas. But as for me, the Satan did not appear to me. It should be noted that this thought is from the Satan. And he's the one, yeah. So, Donc, d'après moi, c'est ce que, comme on dit que le Satan était apparu, c'est ce que on nous a dit, c'est tout. in a nutshell, we copy what Ibrahim Aslam did. Donc, en bref, nous ne faisons que ce que Abraham avait fait. Appear to me. It should be noted that this thought is from the Satan, and he's the one, yeah. So, in a nutshell, we copy what Ibrahim Aslam did. Okay, And let me ask when you. we throw the stone, Okay, we're doing let me ask you. it in a Okay, here we symbolic way. go. Et nous jetons ces cailloux-là, bon, juste pour imiter la foi d'Abraham. We have the Quran in front of us, and I want you to show me where Ibrahim he throw stones. Ok, attends. Nous avons le Coran devant nous. Est-ce que tu peux nous montrer dans quel verset où on a dit qu'Abraham a jeté les cailloux à Satan? Shaitan. Where we can Oui, find this story? où est-ce qu'on peut trouver ça, cette histoire, dans le Coran?
I don't know where you can find the story, but this so, one. Je ne sais pas là où vous pouvez trouver cette histoire-là. So you Muslims, okay, so you, là, ce sont nos savants qui nous ont dit ça. You Muslims, you copy each other, but you do not ask yourself, well, who is the first one who fabricated this story? Donc, ça veut dire que vous, les musulmans, vous vous recopiez les uns les autres, mais vous ne savez pas qui était le premier à avoir inventé cette histoire? What if the story is a fabrication? Maintenant, si cette histoire-là est fabriquée? Non, comment non, c'est une fabrication. Why is... Ah, d'après ce que moi je sais, ça, ce n'est pas une fabrication. Non, I mean, you have no source of it. Maintenant, comment est-ce que tu dis que ce n'est pas une fabrication? Puisque tu n'as pas de source. Où est la source de ça? What this is from? Where is coming from? D'où est-ce que ça vient, ce que tu viens de dire? I think from reliable scholars. So... Ah, je prends ça à partir des savants qui sont vraiment sérieux, hein, dans lesquels nous nous confions. What? Who? Like who? I mean, do you take your religion from... Okay, let me ask you. Ah, ok, tu dis de quel savant? Bon, donc, tu prends ta religion de qui? De tes savants ou bien de qui? Is Al-Ghazali is a scholar or he is a prophet? Est-ce que Al-Ghazali est-il prophète ou bien est-il un savant? Is Hujjatul Islam. What Hujjatul Islam? What does that mean? Il est Hujjatul Islam. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Is a proof of Islam. Et il est la preuve de l'islam. He is such an intellectual person. Okay, so c'est un grand intellectuel de l'islam, Al-Ghazali. If Al-Ghazali he says something, that means you have to approve it, right? Donc tu veux dire que si Al-Ghazali dit quelque chose, vous devez approuver ça, vous devez accepter ça. Not necessarily, but what do you mean? A second ago, he is Hujjatul Islam. Hujjatul Islam means the proof of Islam. Translate. Ah, mais maintenant, pourquoi si tu doutes? Puisque il n'y a pas une seconde, tu as dit qu'il était Hujjatul Islam. Hein, est-ce que tu peux traduire ce que ça veut dire, le mot là? Hujjatul Islam to people, please. Yeah. Est-ce que tu peux expliquer le mot Hujjatul Islam, ce que ça veut dire aux gens? Not necessarily, but what do you mean? A second ago, he is Hujjatul Islam. Hujjatul Islam means the proof of Islam. Translate Hujjatul Islam to people, please. Yeah. Tu peux traduire ça aux gens? Yeah, proof of Islam. Yeah. Okay, so if this guy, he became the proof of Islam. Oui, c'est-à-dire la preuve de l'islam. Proof of Islam, yeah. Okay, so if this guy, he became the proof of Islam, and you acknowledge him with such a huge name, I mean... Okay, maintenant, si cet homme ici est devenu donc la preuve même de l'islam, et tu l'appelles avec un si grand nom... To say such a thing, he is this guy, he is equal to a prophet. Donc ça veut dire que c'est comme si tu es en train d'égaler ce monsieur à ton prophète. So he is the proof of Islam. So you copy a story from him just because he said the story? But tu dis qu'il est la preuve de l'islam même. De te recopier cette histoire-là puisque tout simplement il a raconté cette histoire-là. He's a reliable person. Okay, let me. Ah bon, c'est un homme sur qui on peut compter, un homme de confiance. I ask you. You do a manat, you know. Attends, je vais te poser une question sur les rituels que vous faites. You Muslims, you do certain rituals in the Kaaba. Vous les musulmans, vous faites certains rituels à la Kaaba. Who is behind the rituals of Islam? Qui est derrière tous ces rituels que vous faites dans l'islam? So, like a story I just told you. Ah, comme ce que je viens de te dire. What do you mean? Qu'est-ce que tu veux dire? Like, who is behind it? What? Qui est derrière ça? Qui vous inspire à faire tout ça? As an example, As-Safa and Al-Marwa. Je vais te donner un exemple. Comme As-Safa et Al-Marwan. Who is behind As-Safa and Al-Marwa? What is... Qui est derrière ça? Qui vous a dit de faire ça? As-Safa. Explain to people here. Est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que ça veut dire? As-Safa et Al-Marwan. So, these are two mountains where... A woman called Hajra, she was running. Là, c'est deux montagnes où il y avait une femme qu'on appelait Agar. Et maintenant, elle courait entre les deux montagnes. Between the mountains. And the reason was Ibrahim al-Islam, the prophet Abraham, he left his wife and a son in the desert. Et la raison était puisque Abraham avait laissé là sa femme Agar et son enfant dans le désert. So she was looking for water, and then Zamzam appeared. So there's water that appeared from the ground. Elle cherchait de l'eau,
Et puis, il y a eu de l'eau des Zamzam qui est apparue là-bas pendant qu'elle courait entre les deux montagnes. It was a miracle from Allah. And... Et ça, c'est un miracle d'Allah. Let me ask you, do the kuffar believe in Abraham? Attends, je vais te poser la question. Est-ce que les païens croyaient-ils en Abraham à cette époque-là? Water and then Zamzam appeared. So there's water that appeared from the ground. It was a miracle from Allah. And let me ask you, do the kuffar believe in Abraham? Maybe they followed his tradition. Est-ce qu'ils croyaient en Abraham? Bon, peut-être qu'ils suivaient les traditions d'Abraham. How they follow his tradition, but they don't believe in him. Maintenant, comment tu dis ils suivent les traditions d'Abraham, mais ils ne croient pas en Abraham? That's possible. What do you mean, that's possible? Oui, c'était possible, oui. Mais écoutez, comment tu vas dire c'est possible s'ils ne croient pas en Abraham? I don't believe in Abraham. How you Muslim, you say that Muhammad was the only one Abrahamic and the rest are not. So how the Muslims, they claim such a thing that he was Abrahamic and those kuffar, the reason they are not, they are kuffar because they aren't Abrahamic. Mais comment est-ce que vous, les musulmans, vous dites que Muhammad était la première personne à être abrahamique, de la foi d'Abraham à cette époque-là, mais tandis que vous dites que les païens qui étaient là, eux ne croyaient pas dans la foi d'Abraham. Il ne suivait pas la foi d'Abraham. Et vous dites que Muhammad était le premier. Now suddenly you say to me that the kuffar. The reason the kuffar. Maintenant tout d'un coup tu me dis que non, c'est pas rien là. Et écoutez. That is because they took the idols as gods. Non, la seule raison pour laquelle nous disons qu'il n'était pas abrahamique, c'est puisque ces païens là, ils adoraient des idoles comme Dieu. Ils étaient des idolâtres. Abrahamic. Now suddenly you say to me that the kuffar. The reason the kuffar is because they took the idols as gods. Et c'est la raison pour laquelle nous les appelons qu'ils étaient des païens, des kuffars, des kafirs, puisqu'ils prenaient les idoles pour leur dieu. Okay, let me ask you. When Muhammad he said as-Safa and Marwa, it's okay to do it. Maintenant, je vais te poser la question. Lorsque Muhammad a dit que c'est bon de faire as-Safa et al-Marwa, was because of what? C'était à cause de quoi? Pourquoi est-ce qu'il avait dit ça? It's like I said, these are our rituals. Comme je l'ai dit, bon, ça, ce sont the Muslims, they complain. They said this is pagan. We will not do it. Non, non, les musulmans c'était plein. Ils étaient en train de faire de refuser ça. Ils ont dit que c'était païen. Ils ne voulaient pas faire Asaf et Al Marwan. Is that true? Or I'm making things up? Est-ce vrai ou bien c'est moi qui invente des choses? It says pagan, I haven't seen that. Yeah. Ah bon, tu dis que c'était païen, bon, moi je n'ai jamais vu ça. Yeah, this is pagan because the Arab, they used to go between those two hills. Oui, ça c'est un rituel païen, puisque les païens, avant même Muhammad, ils couraient aussi entre ces deux montagnes-là. Simply because, supposedly, there's a story, a legend story. Oui, puisqu'ils avaient une histoire là, une légende qui racontait. That there is a man and a woman, they have sex in the Kaaba. Et qu'il y avait un homme et une femme qui avaient fait le sexe dans la Kaaba, qui avaient des rapports sexuels dans la Kaaba. And Allah, he cursed them, the moon god. Et Allah les avait maudits, les dieux de la lune. And he made them stones. Et il les a transformés en pierre. Is that true? Est-ce vrai? And they used to go between those two idols. Et les païens ils couraient aussi entre ces deux idoles-là, Asafa et Marwan. Is that true? Yeah, I heard something like that. Okay. Est-ce vrai ou bien je suis en train d'inventer des choses? Is that true? Yeah, I heard something like that. Okay. Oui, j'ai déjà entendu quelque chose comme ça. So this is what Asafa and Marwa is. The Arab, they are not practicing Abraham. Okay, c'est ça, Asafa et Marwan. Les païens de cette époque-là, ils ne pratiquaient pas à la foi d'Abraham. Read with me carefully. This is the book of Asbab al-Nuzul. Voici le livre même, la preuve. Ça, c'est le livre d'Asbab al-Nuzul. La raison pour laquelle la sourate était descendue. Not my book, this is your book. Ce n'est même pas mon livre, ça, ce sont vos livres de l'islam. Let me zoom out. You will see that the Muslims, they did not like it. This is why the Quran came.
Et vous allez voir que les musulmans n'aimaient pas faire ça. C'est pour cela que même le Coran est venu. Chapter 2, verse 158 says that As-Safa and Marwa min sha'a'ir Allah, faman hajja al-bayt aw i'tamara fala junaha alayh. It's not a sin to do As-Safa al-Marwa. C'est pour cela que le Coran dit dans sourate 2 verset 158 que ce n'est pas un péché de faire As-Safa al-Marwa. It's not a sin. Yeah. Okay, why yeah. They thought it's a sin? That means something. Maintenant, il dit ce n'est pas un péché, mais pourquoi est-ce qu'il pensait que c'était un péché? Sur base de quoi il pensait? It's not a sin. Yeah. Okay, why yeah. They thought it's a sin? That means some people they thought it's a sin, right? Puisqu'il y avait des gens qui pensaient que c'était un péché. Oui. Read again. Est-ce que tu peux encore lire ça? It's not a sin to practice As-Safa al-Marwa. Here we go, the verse in front of us. Ce n'est pas un péché de pratiquer As-Safa al-Marwa. Le verset là devant nous sera 2 verset 158. Therefore, there is no sin. Marwa and Safa and Marwa are among the indication of ritual of Allah. Safa et Marwa, ce sont les indications parmi les signes de Allah. So it is. Therefore, no sin for him who do that. Donc, ce n'est pas un péché pour celui qui pratique ça. On va lire ça en français. Your God saying that. Ça, c'est votre Dieu qui dit ça. It's wrong. Et ça, c'est le Coran. Ok, je vais vous montrer ça en français pour répéter la même pensée que Christian France. Là, c'est notre numéro pour les gens qui veulent nous contacter pour parler de la parole de Dieu. Ok, le verset là, 258, surat 2, verset 158, il dit « As-Safa et Al-Marwan sont vraiment parmi les lieux sacrés des dieux, donc quiconque fait le pèlerinage à la maison ou fait l'Umra » ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces deux monts, les deux montagnes, et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, alors Dieu est reconnaissant, omniscient. Et on va lire aussi Asbab al-Nuzul, que Christian Prince est en train de lire. Ça, c'est le livre de Tafsir que Christian Prince est en train de lire. Ça, c'est juste le français qu'on va mettre. Ça, c'est Asbab al-Nuzul. Il dit, les montagnes As-Safa et Marwa sont parmi les indications d'Allah. Il raconte que ce verset a été révélé au sujet des aides. Ils avaient l'habitude de faire un pèlerinage à Manat, une déesse qui était proche de Koudaïd. Ils évitaient également d'aller entre Al-Safa et Marwa. Quand l'islam est venu, ils ont demandé au messager d'Allah à ce sujet. Et ce verset a été révélé. Il dit ceci, c'était révélé puisqu'il y avait un groupe de personnes parmi les croyants, les aides de Muhammad. Avant l'islam, ils avaient l'habitude de faire le pèlerinage, tout ça. Alors, ils en ont parlé. C'était des sanctuaires, la période pré-islamique, et nous avons abandonné. Donc, dans l'islam, il raconte, il dit ceci, il y avait une idole, Al-Safa, et une idole sous la forme d'un homme appelé Isaf. Et sur Al-Marwan, une idole sous la forme d'une femme appelée Naïla. Les gens du livre ont affirmé que ces deux-là avaient commis l'adultère dans la Kaaba. Et comme punition, Allah les a transformés en deux pierres qui ont été placées sur Al-Safa et Al-Marwan afin que les gens puissent en tenir compte. Mais au bout d'un long moment, ils furent adorés à la place d'Allah. Chaque fois que les gens de la période pré-islamique s'interposaient, il caressait les deux idoles. Lorsque l'islam est arrivé, que les deux idoles ont été détruites, les musulmans n'aimaient pas aller entre Al-Safa et Marwa à cause de ces deux idoles. En réponse, Allah révélait ce verset. C'est pour cela que le verset est descendu. Il dit que, car c'est au messager d'Allah, nous n'irons pas entre Al-Safa et Marwa, car c'est une pratique d'idolâtrie que nous avions l'habitude de faire dans la période pré-islamique. Alors, l'histoire est très longue là. Vous pouvez trouver ça sur le site internet de l'Arabie Saoudite ou bien courantx.com. Comme vous voyez là en haut. Et il dit que ce n'est donc pas un péché pour celui qui fait le pèlerinage à la maison d'Allah. Ok, on continue très vite avec Christian Prince. Il y a là, Christian Prince, c'est là.
Voilà. So what made what made the Muslim think there is a sin if we do a Safa and Marwa? Maintenant, qu'est-ce qui avait poussé les musulmans à penser qu'il y avait un péché à faire al Safa al Marwa? Why they think it's a sin? Read me carefully. It says here. Pourquoi est-ce qu'ils pensaient que c'était un péché? Est-ce que tu peux lire avec moi c'est écrit là-bas? Tu peux lire avec moi ce qui est écrit? This verse revealed about a group of people from the helper, Al-Ansar. Ce verset a été révélé lorsqu'il y avait un groupe de gens qui étaient des aides Al-Ansar, qui étaient partis voir Muhammad. Before Islam, they used to go and make a pilgrimage to Manat. Avant l'islam, ils partaient et faisaient le pèlerinage à Manat, une déesse. And we're forbidden. This is where Manat is. Et c'était interdit d'aller là, puisque c'était là que c'était Manat, la déesse. And they were forbidden from going between As-Safa and Marwa. Those people, they worship Manat. As-Safa is from the ritual. Donc, ils étaient empêchés d'aller à As-Safa et à Marwa, puisqu'ils faisaient ils adoraient Manat. Of Manat. Ils pratiquaient le rituel de Manat. So, and they were forbidden from going between As-Safa and Marwa. Et ils étaient interdits d'aller à As-Safa et à Marwa. When they went to do Hajj with Allah Messenger, which means now they became Muslims. Maintenant, ils sont partis faire le pèlerinage avec Muhammad. Mais puisque donc, ils sont devenus donc musulmans. Allah bless him and give him peace. They mentioned to this to qu'Allah le bénisse et lui donne la paix. Ils ont donc mentionné ceci à lui. Him. It was a request only for this group. This group, they said to him. Donc c'était ce groupe-là de musulmans qui étaient avec lui, ils ont posé la question, ils ont donné une requête. We are used to do As-Safa al-Marwa, you know. Ils disent qu'on avait l'habitude de faire As-Safa al-Marwa. We like it. On aimait ça. Look what Muhammad he said. Regarde ce que Muhammad dit. So Allah revealed this verse. Et Allah a révélé ce verset. So Muhammad, you know, I'm not insulting, I'm saying to you what I believe. Muhammad, because he's a hypocrite man. Non, je n'insulte pas. Je fais dire que c'est que moi je vois, puisque je pense que Muhammad c'était un hypocrite. Just because a group of Al-Ansar who they are pagan and now they converted to Islam. And juste puisqu'il y a un groupe de gens, des Al-Ansar, qui se sont convertis, qui étaient païens, maintenant ils sont devenus musulmans. He don't want to lose them. Et ils ne voulaient pas les perdre. They said to him, we like to do As-Safa al-Marwa. The rest of the Muslims, they don't do that. Ils ont dit que on voulait faire. Ah oui, on essaie le son. Only a group of Al-Ansar who they are pagan and now they converted to Islam. And et c'est un groupe d'Al-Ansar qui étaient des païens, mais là qui sont convertis, ils sont devenus musulmans maintenant. They don't want to lose them. Et ne voulaient pas les perdre. They said to him, we like to do As-Safa al-Marwa. Ils ont dit qu'on voulait faire As-Safa al-Marwa. The rest of the Muslims, they don't do that. Le reste des musulmans ne faisaient pas ça. Only Allah. Seulement les gens des Al-Ansar. Replace the rituals. So what's the problem? What replace? Mais Allah a remplacé les rituels. Où est le problème? Où est le problème si Allah a remplacé ça? Allah replace the rituals. So what's the problem? Allah a remplacé ça. What replace? I mean, do you replace? Mais comment tu veux dire remplacer ça? Okay, are you saying to me Allah he changed? No. A second ago you told me this is a. Attends, une seconde. Tu m'as dit, Dieu dit, Allah va remplacer ça. Yeah, tu m'as dit. About Abraham and his wife, and suddenly it is about Manat. Mais c'est toi qui m'as dit que c'était l'histoire d'Abraham avec sa femme Agar. Et maintenant, ça tourne, c'est à propos de la déesse Manat. No, it's not. Read carefully with me. No, read carefully with me. This is narrated. Non, tu peux lire avec moi. Là, c'est raconté là-bas. By Muslim, from report of Abu Bakr. Ça, c'est le rapport d'Abu Bakr lui-même. Et tous ces gens-là qui ont raconté la même histoire. We dislike. Who is saying? Anas ibn Malik. Et qui dit ça? C'est Anas ibn Malik qui dit que nous n'aimions pas, on ne voulait pas le faire. We dislike going between As-Safa and Marwa. Why Anas ibn Malik dislike to go between As-Safa and Marwa? On ne voulait pas faire le pèlerinage entre As-Safa et Marwa. Pourquoi est-ce qu'il n'aimait pas faire ça? You give me an answer. Et tu peux me répondre? If this is what Abraham's wife she did. Si c'est ce que vraiment la femme d'Abraham avait fait, Agar. Why he dislike? Pourquoi est-ce que
eux n'aimaient pas faire ça. Because maybe the pagan Arabs they did wrong stuff. Ah, peut-être plus que les païens les arabes, ils avaient fait des mauvaises choses là. Because this is the shrine of the pagan. Non, la raison c'est puisque ça c'était des sites pour les païens. This is not the ritual only. This is the shrine of the pagan. It's in front of you. It says. Ce sont des endroits de culte des païens. C'est écrit là-bas. Because they were the shrines of Quraysh. Puisque c'était des endroits où les Quraysh étaient en train de faire leurs adorations, comme les temples des païens de Quraysh. In the pre-Islamic period. Dans la période pré-islamique. How does that affect Islam in any way? Maintenant, comment est-ce que cela affecte l'islam? It's a question I'm asking. It's very... Ça, c'est la question que je te pose, Christian Prince. It's very easy to explain it. Muhammad, because if he is a true prophet, he will not accept under any condition to take a pagan shrine to be... Écoutez, la réponse est simple. Si Muhammad était un vrai prophète, il n'allait pas accepter sous aucune condition de prendre un temple païen ou bien un endroit de culte païen. Be part of his shrine. Et de mettre ça, que ça puisse devenir... un endroit où il devrait aller faire ses cultes aussi pour Allah. The prophet can replace the ritual that they're doing. What do you mean he can replace? What do you mean he? Le prophète peut remplacer les rites que ces gens-là faisaient, hein? Bon, qu'est-ce que tu veux dire? Le prophète peut remplacer. Qu'est-ce que tu veux dire? He can replace. This is not. He did not replace. He returned back to it. Non, Muhammad n'a pas remplacé. Il est juste retourné vers ses idoles. The people used to go around the Kaaba before Islam. Les gens partaient à la Kaaba avant l'islam. People used to cross the black stone before Islam. Les gens baisaient la pierre noire avant l'islam. Women they used to go naked around the Kaaba before Islam. Les femmes partaient nues à la Kaaba avant l'islam. Men, they put a sheet around themselves and they replace their clothes before Islam. This is exactly what they do. They Les hommes, ils portaient des morceaux d'étoffes, des habits comme des draps autour de leur corps pour aller à la Kaaba. Et les gens, ils pratiquent ça demain maintenant. Women, they used to go naked around the Kaaba before Islam. Men, they put a sheet around themselves and they replace their clothes before Islam. This is exactly what they do. They shave their head before Islam. Et les gens pratiquaient ça même avant l'islam. Et ils se rasaient même la tête avant l'islam pour partir à tous ces sanctuaires, ce lieu de pèlerinage. And they slaughter before Islam. And they cut the hand before Islam. Et ils pratiquaient même l'immolation des animaux, même avant l'islam. For a thief, and now Muhammad just closed before Islam. This is exactly what they do. They shave their head before Islam, and they slaughter before Islam, and they cut the hand before Islam for a thief, and now. Et ils coupaient même les mains des voleurs avant l'islam. Muhammad, just because Al-Ansar, they said to him, "This is a shrine of us. We like it." Oui, puisque ces gens des Al-Ansar, les aides de Muhammad, puisqu'ils ont dit que. Là, c'est un endroit où on pratiquait le culte d'Asaf al-Marwan, le sanctuaire, là, la place où on faisait ça. Et ils aimaient ça. Muhammad, he says, yeah, they must have took it from Prophet Ibrahim or Islam. They must have learned Where that. Where is Ibrahim? Non, nous, les musulmans, nous apprenons ça à partir d'Abraham. Read carefully. Do you see Ibrahim in the story? It is the shrine. This is Anas ibn Malik. Not... Écoutez, où est-ce que tu vois Ibrahim ici? Hein? On a lu ça. Là, c'est écrit, c'est Anas ibn Malik qui est en train de raconter que ça, c'était un sanctuaire des idoles. Me, saying we dislike going between Safa and Marwa because this is where the shrine of Quraysh. C'est écrit que, il dit ceci, nous ne voulions pas aller entre Safa et Marwa puisque c'était un sanctuaire des païens. In the pre-Islamic, and not only that, it's said. Dans la période pré-islamique. Read carefully. So then Allah revealed the verse, said, Omar ibn Hubaysh, etc. I ask Omar. Et Allah a révélé ce verset. Il dit que c'est écrit là-bas. Il dit que j'ai demandé à Omar à propos de ce verset. Il a dit, blah, 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 and Safa Marwa. And in Safa, there was an idol for a man called Isaf. Il dit ceci. À Safa, il y avait une idole. C'était un homme sous la forme, c'était la forme d'un homme.
qu'on appelait Isaf. And on Al Marwa, there's an idol which supposedly for a woman, her name is Naila. Et sur Al Marwa, il y avait une idole sous la forme d'une femme qu'on appelait Naila. The people of the book claimed that those two had committed adultery in the Kaaba. Et les gens du livre disent que ces deux-là avaient commis adultère dans la Kaaba. And has punished by Allah and turned them into two stones. et comme punition, Allah les a tournés, ils sont devenus deux pierres. Now, where is Abraham in the story? Obviously, the Arab, they are worshipping those things. Où est l'histoire d'Abraham ici? Donc, c'est clair que les Arabes étaient en train d'adorer les idoles ici. Have idols, they worship them, they practice them. Et ils pratiquaient ce culte des idoles dans ce sanctuaire-là. And they are part of their religion. And et ça fait partie de leur religion. Mohammed, just because he don't want to lose those people who they are Al-Ansar. Oui, et Mohammed maintenant, comme il ne voulait pas perdre ces musulmans des Al-Ansar. Like it, they practice it. So, you know what? Ils aimaient ça avant la période islamique. Ils pratiquaient ça. Et puis quoi? Let's do it. Il a dit, OK, faisons ça. Ibrahim Islam is in the Quran, so he basically and the son. Mais Ibrahim est mentionné là-bas dans le Coran. Et écoutez, where is Abraham in the Quran? Where is in the Quran? Where in the Quran it says As-Safa and Al-Marwa is from Abraham? Can you show me? Écoutez, mon ami, où est-ce qu'on a écrit dans le Coran que As-Safa et Al-Marwa, ça vient de Abraham? C'est mentionné où dans le Coran l'histoire d'Abraham avec cette histoire ici? It's not in the Quran. Ah non, c'est pas dans le Coran. Never. Jamais. So I can find where he left. I can find maybe in some scripture. My friend. Ah non, j'ai peut-être trouvé d'autres peut-être écritures là. C'est écrit peut-être. C'est écrit dans d'autres livres. What scriptures? What are you talking about? This here we go. This is the book. Tu me parles de quel livre? De quelle écriture? Le livre là? Of Asbab al-Nuzul. The book of Asbab al-Nuzul is so clear. There's two idols of a man and a woman. Le livre de Asbab al-Nuzul est là. C'est clair. Il y a une histoire entre un homme et une femme. And those people, they believe in them and they worship them and they practice their shrine. This is... Et ces gens croyaient dans les deux idoles là. Et ces gens pratiquaient le culte dans ces cinq sanctuaires-là. Their shrine. Who the Ansar? The Ansar is the one who made Muhammad change his ritual and add additional to the Kaaba. Et ce sont les Ansar qui ont fait que Muhammad puisse additionner, qu'il puisse ajouter aussi ce rituel ici de leur sanctuaire. Additional to the Jamarat, throwing the rocks at the Shaitan house. Additional. Et puis ils ont ajouté ça à l'histoire là de lapider Satan, de faire al-jamra, la lapidation de Satan. Ils ont ajouté ça à leur rituel. To that, he had this just because somebody requested the same as the Kaaba. Et ils ont ajouté ça de la même histoire comme ce qui s'était passé dans l'histoire de la Kaaba. Who is the one who made Muhammad pray to the Kaaba? Do you know? Qui est celui qui a fait que Muhammad puisse commencer à prier en se tournant vers la Kaaba? Tu sais? Allah revealed the revelation. That's not true. Non, c'est Allah qui avait révélé qui avait donné cette révélation là. Allah revealed the revelation. That's not true. That's not true. C'est pas vrai ça. C'est pas vrai. It was Omar. C'était Omar. Omar, he said, my Lord agreed with me in three things. Omar avait dit, mon Seigneur était d'accord avec moi en trois choses. Yeah, where's the praying towards the Kaaba? Okay, so Omar is the one who made the decision. Why he made the decision? Okay, ça c'est Omar qui avait fait la décision que tous les musulmans puissent commencer à prier en direction de la Kaaba. Comment, pourquoi est-ce qu'il avait fait cette décision ici? Where's the Salah? Why? C'est écrit où? Why he made the decision? Pourquoi est-ce qu'il a pris la décision? My Lord agreed with me in three things. The translation is funny. Il dit que mon Seigneur était tombé d'accord avec moi dans trois choses. Ici, on a voulu changer la translation.
In the case of the station of Abraham, dans le cas de la maison d'Abraham, de la station d'Abraham. Okay, let me ask you, who is Omar to decide for the Muslims that the Kaaba should be the place of station to pray? Maintenant, je vais te poser la question. Qui est Omar pour qu'il puisse décider que les musulmans doivent commencer maintenant à prier, à faire de la Kaaba la station de prière? Who is he? He's a prophet. Est-ce que Omar était prophète? Oh, that's Maqam Ibrahim, not the Qibla. Ah, ça c'est le Maqam Ibrahim, ce n'est pas le Qibla. What do you mean this is the Kaaba? Mais ça c'est la Kaaba. Maqam Ibrahim. No, this is the Kaaba. This is talking about the Kaaba. Non, pourquoi tu dis Maqam Ibrahim? Il parle ici de la Kaaba. They used to pray in the direction of Jerusalem. Et auparavant, il priait en direction de Jérusalem. And now they switch. Now they switch. No, let's read it. No, this is. Maintenant, ils ont changé. The station of Ibrahim is from Abraham. Yes. Before. Non, ils parlent de la station d'Abraham ici. But it was not the station of Abraham. Yeah, that's Maqam Ibrahim. Mais c'était pas là. Auparavant ou quoi? That's not the Kaaba. No, this is. Là, c'est la station d'Abraham. Ce n'est pas la Kaaba. The Kaaba. Non, ils parlent de la Kaaba ici. I think you misunderstand me. No, my friend. Ah bon, peut-être tu as mal compris ça. No, my friend, this is the Kaaba. Non, ça c'est la Kaaba. Aren't you the one who said to me, okay, who is the one who built the Kaaba? C'est pas toi qui m'as dit, bon, qui est celui qui a construit la Kaaba? Ibrahim, son. Yeah. Okay. C'est Abraham qui a construit la Kaaba. And why this is not the station of Abraham then? Et comment donc la Kaaba n'est pas la station d'Abraham? Comment tu peux expliquer ça? Because the station where he stood on, that was it's called Maqam Ibrahim, where he. Oui, puisque la station là où il s'était tenu, là où Abraham s'était tenu, on appelle ça Maqam Ibrahim. Is it in the Kaaba? So, is it in the square of the Kaaba? Is that in the square of the Kaaba? Est-ce que cette station là se trouve dans le carré là de la Kaaba? Oui ou non? It's near the Kaaba, but it's behind. C'est tout près de la Kaaba. It is in the Kaaba. It's what, like a meter away, 2 meters away? How far away? Mais c'est à l'intérieur de la Kaaba. C'est à presque 2 mètres sur 2 mètres. Pourquoi est-ce que tu dis que c'est un peu éloigné de la Kaaba? Come on, listen. First of all, the Kaaba. Attends. D'abord, je vais te parler de la Kaaba. You can go and search right now. Even the Kaaba is moved. This is not the correct location. Tu peux même aller faire des recherches. Même la place de la Kaaba, ça bougeait, le lieu où c'était auparavant. Ce n'est pas l'endroit exact où était la Kaaba. The Kaaba totally moved, and you can go right now, search on Google, and you will find this is the truth. Et tu peux aller chercher sur Google, on va te montrer que l'endroit de la Kaaba a été déplacé un tout petit peu. Tu peux aller vérifier ça. But I don't care about that. Mais ça importe peu pour moi. Who is this guy, Omar, who decide the direction of the prayer? Qui est cet homme ici qu'on appelle Omar, qui décide de la direction dans laquelle les musulmans doivent tourner pour prier? To make the station of a prayer, which is the Kaaba, is de faire la station, la direction de la prière qui est la Kaaba. Is the station for all Muslims? Et comme la direction pour tous les musulmans. Who is this guy, Omar, who decide the direction of the prayer? To make the station of a prayer, which is the Kaaba, is the station for all Muslims. Yes, who is Umar radiallahu anhu? Qui est-il donc? He desired that the Muslim pray where Ibrahim alayhi stood, and he built. Oh oui, bon, peut-être il avait voulu que il avait le désir que le musulman puisse prier là où l'endroit où était Abraham. The Kaaba from. So he desired that. So and but then où était la Kaaba? Donc il avait donc. But this means that the Kaaba is built by Allah, as Muslims declare, by Allah angels even before he created Adam 2,000 years. Donc cela veut dire que la Kaaba a été construite donc par Allah lui-même avec les anges comme d'autres musulmans croient avant même la création quoi. Allah, but this means that the Kaaba is built by Allah, as Muslims declare, by Allah angels even before he created Adam 2,000 years is a big fat lie. Ah, donc c'est que les musulmans croient que Allah avait construit la Kaaba avec les anges même avant la création d'Adam. Donc
C'est un grand mensonge si tu dis ça. For creating Adam 2000 years is a big fat lie because it was desire of Omar, not desire of Allah. Donc c'était un mensonge. Puis tu dis que c'était le désir de Omar qui désirait, ce n'était pas le désir de Allah. And that's mean that hold on. Do you see what it attends. Says here? Est-ce que tu vois ce qui est écrit ici? Did you see? Can you read with me? Est-ce que tu peux lire avec moi? But this, my Lord agreed with me. Okay, read. I change the location, please. Tu peux lire là, en bas, là où j'ai souligné? And bad ones talk to them, so... No, read what I highlighted. Do you see the highlight? Est-ce que tu vois la dernière ligne là? So this verse... This verse, the same as I had said, was revealed. Unbelievable. Incroyable. Ce verset ici. Ok, nous allons montrer ça pour l'audience francophone en français. Et ça, c'est notre numéro pour les gens qui veulent nous contacter. On va vous mettre ça en français. Ça, c'est Saïd Bouhari. On a mis ça en français, mais c'était très difficile de contenir ça. On dit que « So this verse was revealed ». Donc, ce verset a été révélé. Saïd Bouhari numéro 402. On va mettre ça en français. On a mis ça sur Google, la translation de Google, puisque en français, on n'a pas trouvé cet hadith ici. Il dit « Mon Seigneur était d'accord avec moi sur trois points. J'ai dit au messager d'Allah, je souhaite que nous prenions la station d'Abraham comme lieu de prière. » Celui qui dit ça, c'est Omar. C'est Omar ibn al-Khattab. Il dit, « Mon Seigneur était d'accord avec moi sur trois points. J'ai dit au messager d'Allah, je souhaite que nous prenions la station d'Abraham comme lieu de prière pour certaines de nos prières. Ainsi est venue l'inspiration divine et prenez les gens, la station d'Abraham comme lieu de prière pour certaines de vos prières, par exemple, de Rakat et de Tawaf de la Kaaba. » Sourate 2, verset 125 est descendu. En ce qui concerne le voile de la femme, j'ai dit aux messagers, je souhaite que vous ordonniez à vos femmes de se couvrir des hommes parce que les bons et les mauvais leur parlent. Ainsi, le verset du voile de la femme a été révélé. Une fois, les épouses du prophète ont formé un front uni contre le prophète et je leur ai dit, il se peut que si le prophète vous a dit au divorce, que son Seigneur lui accorde au lieu de vous les épouses que meilleures que vous. Donc ce verset est descendu, le même que j'avais révélé a été que j'avais dit a été révélé. Donc le verset a été révélé de la même manière que moi je l'avais dit. Sourate 66 verset 5. Là c'est Omar qui dit que c'est lui qui avait parlé de ça bien avant que Allah ne puisse parler de ça dans le Coran. Ça c'est donc ce verset a été révélé, Sourate 66, verset 5, de la même manière que lui, Omar avait dit ça. C'était lui qui était le premier à avoir dit ça. Mon Seigneur était d'accord avec moi sur trois points. Ça, c'est Omar ibn Khattab. C'est ça. Ok, on va retourner très vite chez Christian Prince. Ok, on y va. Alléluia. There we go. Allah, not only he agreed with Omar, he took his... So this verse, the same as I had said, was revealed. Donc, ce verset a été révélé, le même que j'avais dit, de la même manière que je l'avais dit. Unbelievable. Incroyable. Allah, not only he agreed with Omar, he took his words one by one. Non seulement Allah était d'accord avec les paroles de Omar, mais Allah a répété textuellement, mot à mot, les paroles de Omar. And he made it Quran and it became an order. Et il a fait de cela que c'est devenu le Coran et il en a fait un ordre. How Allah he says nobody can make Quran like my Quran, no genie, no human being. Yet this Quran is made by Omar, word by word. Mais comment est-ce que Allah dit que personne ne peut faire le Coran
Mais ici, nous voyons Allah qui répète mot à mot les mêmes paroles que Omar avait dites. When Allah says no one can make a Quran like his, there's many factors you consider. One is that millions of people recite it. Can you show me one surah that's memorized and recited by millions of people? Non. Lorsque Allah dit que personne ne peut faire un verset comme ça, c'est en rapport avec le fait qu'il y a des millions de gens qui mémorisent le Coran. Est-ce que tu peux nous donner un seul verset qui a été donné par les gens, et là où tu trouves un million de gens qui sont en train de mémoriser, de réciter ce verset-là? No. First of all, my mother, she memorized the Bible from the first page to the last page. Non, attends d'abord. Écoutez, ça, c'est pas un problème. D'abord, ma mère, elle mémorise toute la Bible de la première page à la dernière page. So number one. Ça, c'est de un. There's a lot. You know, there's millions of people. Yes, even there's people that. Yeah, écoutez, il y a beaucoup de gens, des millions de gens qui mémorisent la Bible. Memorize it not only in the Arabic, in even in Aramaic, the Aramaic language. Ils mémorisent ça même dans la langue araméenne. And not only that, they sing it. They sing the whole Bible. You can go right now, type in Google. Et non seulement ils mémorisent, ils chantent toute la Bible. Tu peux même partir vérifier sur Google. Type. Singing the Bible Aramaic, and you will hear it. They sing the whole Bible. Tu vas voir les gens qui sont en train de chanter toute la Bible en araméen. All of it. Not only that, they sing it three times. Et ils chantent ça trois fois. Four gospels in one night, especially in the night of Easter. Et même l'évangile, spécialement dans la nuit de Pâques. Four gospels, they sing it three times. Ils chantent les quatre évangiles. Trois fois par jour dans la période de la Pâque. Gospel singing. Now listen. Il chante ça. You memorize does not make you a person who knows what I'm talking about. Écoutez, maintenant toi qui dis tu mémorises, quelqu'un qui mémorise, cela ne veut pas dire qu'il comprend ce qu'il mémorise. You are memorizing but you don't understand. You don't even speak the language. Vous mémorisez mais vous ne comprenez pas et vous ne parlez même pas la langue. And this is very funny. Et ça, c'est comique, c'est drôle. La Coran dit que c'est une révélation. Revelation. Here we go. This is the revelation of Omar. Ça, c'est pas la révélation. Ça, c'est la révélation de Omar. If Allah, why Allah, how Allah agree with Omar? It's not Omar. It's not Omar agree with Allah. It's Allah agree with Omar. Maintenant, comment expliquer que Allah est en train d'être d'accord, de s'accorder à ce que Omar a dit? Ce n'est pas Omar qui est d'accord avec ce qu'Allah dit, mais c'est Allah lui qui va s'accorder, confirmer ce que Omar a dit. The hijab is made by Omar. Même le hijab, le voile islamique, c'est Omar qui avait dit ça. Threatening the wives of Muhammad of divorce is made by Omar. Même lorsqu'il menaçait les femmes de Muhammad de le divorcer dans Sourate 66, verset 5. Ce verset-là a été inspiré même à partir de Omar. Ce n'est pas Allah qui avait dit ça. It's according to the circumstances, Allah reveals the revelation. Ah oui, ben c'est selon des circonstances que Allah révèle le verset. No, hold on. Okay, so why Allah he said it as I said? Maintenant, comment est-ce qu'il dit ici que ce verset est descendu comme je l'avais dit? Explain that to me, word by word. Est-ce que tu peux expliquer ça, mot à mot? Who is copying who? Qui est en train de recopier l'autre? Est-ce Allah qui recopie Omar ou bien c'est vice versa? Omar, he said that in front of Muhammad. Muhammad, he liked it. He make a Quran. It's very simple. C'est simple. Donc Muhammad a entendu ça. C'est Omar qui a dit ça devant Muhammad et Muhammad a aimé ça. Il a fait de cela. C'est devenu le Coran. C'est simple. What's in brackets anyway, so. Ah oui, et le prophète a dit ça. Ok. So what? Qu'est-ce que tu veux dire? That's in brackets. So No. Non, les mots-là, c'est mis entre parenthèses, comme on a dit, de la même manière que je l'avais dit. Les paroles, comme je l'avais dit. C'est mis entre parenthèses. It says that. It says, what cousin is that? This is what it says in Arabic. Non, mais c'est ce qu'on a dit en arabique. Dans la langue arabe, il n'y a pas de parenthèse là. C'est en anglais qu'on a mis le parenthèse. En arabe, il n'y a pas de parenthèse. What is that? It says this is how it came in Arabic. Et c'est écrit en arabe, le verset est descendu tel que je l'avais dit. C'est comme ça que c'est descendu.
And this is why he's saying, وَفَقَنِي رَبِّي فِي ثَلَاثٍ. Say in Arabic. My friend, it says, Est-ce que tu peux dire ça en arabe? وَفَقْتُ رَبِّي قَالَ عُمَرُ وَفَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ فَقُلْتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى فَنَذَرَتْ وَاتَّخِذُ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Exactly, word by word. Exactement, mot à mot. Tel que Omar avait dit ça, Allah a recopié les mêmes paroles dans le Coran. So he says that Allah devant toi? Reveal the ayah. So what reveal the ayah? It's Omar. Donc, Allah a révélé le verset. Omar who said that? It says to Omar, he said that. Qu'est-ce que tu veux dire, Allah a révélé ça? C'est Omar qui avait dit ça, le premier. Omar, he said the ayah, not Allah. C'est Omar qui avait dit le verset. Ce n'est pas Allah. Let me ask you. Did your prophet say that if there is a prophet will be after me, that would be Omar? Attends, je te pose la question. Est-ce que votre prophète avait dit que si il y aura, s'il y avait un prophète après lui, ça serait Omar? Yeah. Why he said that? Oui, pourquoi est-ce qu'il avait dit ça? Because he's got high ranking. Puisqu'il avait un rang social élevé. You know, his decision was according to Islam. Et sa décision a été selon Islam. How he is high ranking? I mean, his natural. Comment est-ce que tu dis il avait un rang élevé? Position. Hold on. Who is Muhammad to say who can be a prophet after him? Qui est Muhammad pour dire que tel ou tel serait prophète après lui? He got that from Revelation. Il a eu ça à partir de la révélation. So Allah, he changed his mind. Donc Allah avait changé sa pensée. Whatever the prophet says is revelation. Tout ce que le prophète dit est une révélation. No, you are saying to me he got it from revelation. Non, tu m'as dit qu'il a eu ça à partir de la révélation. Muhammad, he was revealed to him from Allah that a prophet after him came, it could be Omar. Est-ce que Muhammad avait reçu la révélation à partir de Allah que après lui il y aura un prophète et son nom c'est Omar? Of course, that's revelation divinely. Ok, oui, c'est vrai, c'est une révélation qu'il avait reçue, ça. Where you get this revelation from? So why he is not? Maintenant, où est-ce qu'il avait eu cette révélation? Mais pourquoi est-ce qu'il n'était pas prophète? The prophet then. The prophet said that if there ever was, and then he said. No. To him, we'd like to do a Safa al-Marwa. What do you mean if? Either. Ah oui, puisque le prophète n'avait pas confirmé, il avait dit si il y avait un prophète après lui, ça serait Omar. Hold on, you just said to me this is revelation from Allah. Attends, tu m'as dit que ça c'était une révélation de la part de Allah. All right. Okay. So if Allah he said to him, Omar will be Allah revealed to him. Maintenant, si c'est Allah qui lui a révélé que Omar serait le prophète, si c'est Allah qui lui a parlé. Omar will be a prophet, or if Omar will be, if there is a prophet, will be Omar. Et cela veut dire que Omar serait le prophète, ou bien si Omar était le prophète. Yeah. Oui, si il était prophète, s'il y avait un prophète. Well, so what does that mean? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ce que ça veut dire. I mean, this is silly. How Allah he says that? Mais ça c'est. Oui, s'il était prophète, s'il y avait un prophète. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu veux dire? On essaie la leçon. If there is a prophet, will be Omar. S'il y avait un prophète, ça serait Omar. Yeah. Oh, so what does that mean? Qu'est-ce que tu veux dire? I mean, this is silly. How Allah he says that? C'est stupide. Pourquoi est-ce que Allah peut dire ça? I mean, the prophet said that if there was ever a prophet after me, it would be Omar, but there's no prophet after me. Mais le prophète avait dit, s'il y avait un prophète après moi, ça serait Omar, mais il n'y a pas de prophète après moi. Hold on. So what the point of saying if there is a prophet after me will be Omar? Mais ça sert à quoi de dire maintenant, s'il y avait un prophète après moi, ça serait Omar? Yeah, the point is to show the rank of Omar, that his rank is such high that you need to respect him, honor him, and yeah. Ah, c'était pour montrer le rang élevé de Omar, qu'on devrait le respecter, l'honorer, tout ça. What do you mean, replay? So Muhammad, are you saying Muhammad is fabricating things and just to make people obey Omar? Ah, qu'est-ce que tu veux dire?
Donc, tu veux dire que Muhammad était en train de fabriquer des révélations pour faire que les gens puissent commencer à honorer et à respecter Omar. Not fabricating. So who is he? Because this... Non, il n'a pas fabriqué. Mais qui est-il? This is very dangerous, my friend. When you say... No. When you say that the messenger of Allah said, if... Ah, ça, c'est dangereux. Si tu dis que le messager d'Allah a dit... There was to have a prophet after me. Si le messager d'Allah a dit que s'il y avait un prophète après moi, it would be have been Omar ibn al-Khattab. Ça devrait être Omar ibn Khattab. Yeah. First of all, who is Muhammad to say such a statement? You said to me this is a revelation. Qui était d'abord Muhammad pour avoir dit des révélations pareilles? Tu as dit que ça c'était une révélation. He's a prophet of Allah. So No. Yeah, you said to me. Il est un prophète d'Allah, Muhammad. Me this is a revelation, okay? So, of course, yeah. Allah, mais tu m'as dit que ça c'était une révélation de Allah. Allah told Muhammad to say that. Quand est-ce que Allah dit à Muhammad de dire ça? Does that mean that Muhammad here announced that Omar ibn al-Khattab is a prophet going to be after me? Est-ce que Muhammad est en train d'annoncer ici que il y aura un prophète après moi et son nom c'est Omar? No, because the prophet in the same sentence said there is no prophet after me. Where? Ah, puisque Muhammad dans la même parole a dit qu'il n'y aura pas de prophète après moi. Hold on, where here we go? The hadith in front of me doesn't say that. Doesn't say that he said that there is no prophet after me. Ok. Le hadith est là devant moi. On n'a pas dit qu'il n'a pas dit dans la même phrase. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de prophète après moi. C'est écrit où? I'll find it if you want it. Ok. Attends, je vais chercher ça. Sur internet et je vais te donner ça, ok. There was a prophet after me. Ah, je vais chercher là où c'est écrit, il n'y aura pas de prophète après moi. Je cherche sur internet. I know there's a hadith that says there's no prophet after me. mais je sais qu'il y a un hadith qui dit qu'il n'y a pas de prophète après moi. So Muhammad, when he say if there is a prophet to be, is going to be Omar, obviously because he is copying it from Omar. Muhammad, lorsqu'il dit qu'il y aura un prophète après moi et son nom c'est Omar, la raison était simple, puisque lui, il recopiait tout de Omar. Omar, he got him busted. Et Omar l'a attrapé. Il a démasqué que ce monsieur est en train de me copier. Omar, he says something. Muhammad, he take it. He put it in the Quran. And Omar, he says, my Lord, agree with me in three things. Omar dit quelque chose. Et Muhammad prend les paroles de Omar. Il ajoute ça dans le Coran. Et puis tout ça. Et Omar dit, mon Seigneur était tombé d'accord avec moi. Il a confirmé mes paroles en trois occasions. Now, Muhammad, when I explain why he is... or his God agreeing with Omar. Maintenant, Muhammad ne savait pas comment expliquer comment est-ce que son Dieu était d'accord avec Omar. So he came with this. He said, if there is a messenger to be after me, that it be Omar, because obviously he's prophesying. It's not Muhammad the prophet. Maintenant, il vient avec cette pensée, oh, s'il y avait un prophète après moi, ça serait Omar. Et puisque Omar, c'était lui qui prophétisait. Et ce n'était pas Muhammad dans ce cas ici. Because obviously he's prophesying. It's not Muhammad the prophet. Already he's a prophet. Déjà, Omar était comme un prophète. Il était prophète. He's just prophesying. Il ne fait que prophétiser. Omar, he prophesied. He said, the Kaaba. Omar avait prophétisé. Il a dit, la Kaaba. He said, the hijab. He said, il a parlé de hijab, le voile. And the wives will be threatened. He prophesied. And et il a même menacé les femmes de Muhammad avec les divorces, sur 66, verset 5. Et Muhammad. Allah, he took his words and he make it Quran. Et Muhammad a pris les mêmes paroles que Omar avait prononcées. Il a mis ça dans le Coran. So Muhammad, yeah, Allah reveals the revelation according to the circumstances. Ah oui, mais Allah révèle, il donne des révélations selon leurs circonstances. What circumstances? I mean, what this point of this? Quelles circonstances? Quel est le point de tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? I mean, the circumstances are reason he decided. Hold on. Who is more important in Islam, Uthman ibn Affan or Omar? Attends. Qui est plus important dans l'islam? Est-ce Uthman
ou bien Omar? Omar de Anko. Attends, nous allons vous montrer cette analyse que Christian Prince a mis en anglais pour l'audience francophone. Le hadith est là. C'est Jami Al-Tirmidhi, numéro 3686. Ok, nous allons voir. Jami Al-Tirmidhi. D'après Uqba ibn Amir, que le messager d'Allah a dit, il a dit, s'il devrait y avoir un prophète après moi, cela aurait été Omar ibn Khattab, Omar, le calife Omar. Ok, on retourne très vite chez Christian Prince. C'est très bon. Christian Prince est là. Why? The circumstances are reason he decided. Hold on. So who is more important in Islam, Uthman ibn Affan or Omar? Omar ibn Affan. Attends, je vais te poser la question. Qui est plus important entre Uthman et Omar? Le calife Uthman et le calife Omar. Qui est le plus important? Omar ibn Affan. Why? Omar était plus important. Pourquoi? The higher ranking. That's not true. Oui, c'est le calife Omar qui avait un rang plus élevé. Non, c'est pas vrai. That's not true. Isn't it your? Non, c'est pas vrai. The prophet was showing his legs, and then he did not cover himself unless until Uthman he came. N'est-ce pas que votre prophète était en train de montrer les jambes, les cuisses, jusqu'à ce que Uthman est arrivé, est entré dans la maison? Yeah, that's because of modesty and... What? No. Ah oui, ça, c'était à cause de la modestie. He said that the angels are shy when they see Uthman. Il dit que les anges même, ils ont de la modestie lorsqu'ils voient Uthman. Ils ont honte. Ils sont timides devant Uthman. Les anges sont timides devant Uthman. Yeah. Okay. The angels are not shy when they see Omar. Donc les anges ne montrent pas de la modestie. Ils ne sont pas timides lorsqu'ils voient Omar. So who is the best between those people then, according to your prophet? Maintenant, qui est le plus élevé, le meilleur entre les deux ici, d'après votre prophète? If the angels are shy when they see Uthman. Si les anges sont timides et ils montrent la modestie lorsqu'ils voient Uthman. Who is the one the angels they respect more? Qui est celui que les anges respectent beaucoup? I mean, come on, be honest. From the narrations, we know that. Hein? Ok, montre-moi. Ok, d'après ce qu'on raconte. Because the prophet gave an order, and in a certain order, he said Abu Bakr fil Jannah, Umar fil Jannah, Uthman fil Jannah, and then Ali fil Jannah, Sufla. So Abu Bakr is higher then, according. Ah oui, même puisqu'il y a même un hadith, là, on dit que Abu Bakr était plus élevé aussi. C'est écrit aussi. So Abu Bakr is higher then, according to you. Donc, d'après toi, Abu Bakr est le plus élevé. Yeah, of course. Okay. Oui, il était élevé. So why Abu Bakr will not be a prophet? Why he did not say, if Abu Bakr is first, why he did not say, if there is a prophet to be after me, will be Abu Bakr? Mais là, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit que s'il y avait un prophète après moi, ça serait Abu Bakr? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit, il n'a pas mis Abu Bakr dans le premier lieu, comme s'il était prophète après lui? The answer is very simple. Because Omar was copying, Muhammad was copying from Omar. La raison était simple. C'est puisque Muhammad était en train de recopier les paroles de Omar. And here, let me ask you about this hadith, as long as we mention it. Je vais même te poser la question sur ces hadiths, comme nous l'avons mentionné. Why Muhammad is showing his legs and he is not modest? Comment est-ce que Muhammad est en train de montrer ses jambes ici et puis il n'est pas modeste? Sitting in front of his men, almost naked. Et il se met devant ces gens, il est presque nu ici dans cet hadith. And when Uthman no, he entered, no, il est presque nu. Et lorsque Uthman entre dans la maison, this is the lower part of the leg, so this is like below the knee. Non, ici, ce sont les parties inférieures
de la jambe. Donc c'est comme s'il montrait à partir des genoux vers le bas. What do you mean? Qu'est-ce que tu veux dire? I mean, obviously, it won't be showing the knee because it's haram to show the knee. C'était en dessous du genou, puisque c'est interdit de montrer les genoux. C'est haram de montrer les genoux dans l'islam. Haram to show the knee? C'est haram de montrer les genoux? Yeah, it's haram to show from the belly, from the navel to the knee. No, C'est haram de montrer à partir de du nombril jusqu'au genou. On ne peut pas montrer ces parties-là. It says here, kashifan an fakhdayhi. C'est écrit ici. It says here, kashifan an fakhdayhi. You know what fakhdayhi mean? His thigh. Tu connais ce que ça veut dire? Ça veut dire le cuisse. Le cuisse. It's the thigh of his legs. Ce sont les cuisses de ses jambes. Do you see it? Est-ce que tu vois ça? It's in front of you. An fakhdayhi. Let me what does scholars say about that? You don't ask me about the scholars. Qu'est-ce que les savants disent à propos de ça? What does scholars say about that? You don't ask me about the scholars. Your scholars are not scholars. They are potatoes. Ne me pose pas la question sur les savants. Vos savants ne sont pas des savants. Ce sont des patates. So Muhammad was showing the thigh of his legs almost, and there's no panty at that time. Madame Muhammad est en train de montrer les cuisses de ses jambes. À cette époque-là, les hommes ne portaient pas les sous-vêtements. So Muhammad is showing his legs all the way up, almost naked. Madame Muhammad est en train de montrer ses jambes et ses cuisses jusque vers le haut, presque nu. Omar, he entered, he did not fix his clothes. Omar est entré. Muhammad n'a pas changé les habits. Il n'a pas changé de position. Abu Bakr, he entered, he did not fix his clothes. Abu Bakr est entré dans la maison, il n'a pas changé de position. Il était toujours dans la même position avec les mêmes habits. When Osman, he entered, he covered himself. Mais lorsque Osman est entré, Muhammad s'est couvert, il a changé, il s'est habillé. What's the English translation there? C'est ça la translation anglaise. Let me see, I don't know. Okay. Allah Messenger was laying in the bed in my apartment and... Attends, je sais pas, je vais te montrer ça. Le messager d'Allah était en train de coucher dans mon appartement. C'est ce qui est écrit ici. His thigh uncovered. Do you see it? Et ses cuisses n'étaient pas couvertes. Est-ce que tu vois ça? Comme on a souligné là. Thigh okay. Covered. Okay. Oui, je vois. Les cuisses qui n'étaient pas couvertes. So when you have people around you in your house and you are a prophet of God, are you going to show all the way to your top of your thigh? Et lorsque tu es prophète de Dieu et tu as les gens dans ta maison, est-ce que tu vas découvrir, tu vas enlever et montrer tes cuisses? There's men entering your house. Is that okay? Et tu vas faire ça lorsqu'il y a des gens dans ta maison? Est-ce normal? And now look what happened. Look what happened. Maintenant, regarde ce qui s'est passé ici. The tie is above the knee. Ah oui, les cuisses, c'est au-dessus des genoux. His legs, I mean, yeah, so thigh, the whole thigh, you know, can be all the way to his testicles. Oui, oui, c'est tout le cuisse. Ça peut montrer jusqu'au niveau des testicules. And Abu Bakr sought permission and entered. He was given. And Muhammad did not cover himself. Et Abu Bakr a cherché, il a demandé la permission et il est entré dans la maison. Et Muhammad ne s'est même pas couvert. Il était toujours dans cette position. Omar, he asked for permission to enter and he came. And Muhammad, he did not change. When Osman, he entered. Et Omar est entré. Muhammad n'a pas changé la position. Mais lorsque Osman est venu, he covered himself. Aisha, she said to him. Lorsque Othman est entré, Muhammad a changé la position. Il a même porté les habits. Il s'est changé. Et maintenant, Aisha a dit à Muhammad, stop.
Abu Bakr, he entered, you did not change the way Abu Bakr, he entered, you did not change. When Uthman, he entered, he covered himself. Aisha, she said to him, what's up? Aisha lui pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Abu Bakr, he entered, you did not change the way you are, you know, you're exposing yourself. Aisha dit, Abu Bakr était entré dans la maison et tu n'as pas bougé. Tu n'as pas changé, tu étais toujours dans la même position. Omar, he entered, you did not change. Omar est entré et tu n'as pas changé, tu étais toujours dans la même position. And now, Uthman, he entered, you change. Look what Muhammad said. Aisha dit, Uthman est entré et tu as changé. Tu as rangé tes habits. Et regardez ce que Muhammad dit. I should not show... shouldn't I show modesty to the one whom even all, the angels show modesty? Muhammad dit, ne devrais-je pas montrer de la modestie celui à qui même les anges montrent la modestie? Oh, hold on. So your prophet saying he was not being modest with Abu Bakr and Omar. Donc ça veut dire que votre prophète, il ne montrait pas de la modestie, il n'était pas modeste envers Abu Bakr et envers Omar. No, this is that's a special treatment with towards Ah non, ça c'était un traitement spécial qu'il avait envers ces deux. Treatment is I show you my legs or my ass. What does that mean? I mean, what's special treatment? Donc, lorsque tu dis traitement spécial, donc je dois te montrer mes cuisses ou bien mes fesses. Qu'est-ce que tu appelles traitement spécial? No, this is that's a special treatment with towards So special treatment is I show you my legs or my ass. What does that mean? I mean, what's special treatment? Ah, qu'est-ce que tu appelles traitement spécial? That's special treatment saying that look, I'm showing modesty. Non. Donc le traitement spécial lorsqu'il dit qu'il montre de la modestie. Non. Here your prophet he is agreeing that he have no modesty. His modesty only in front of Uthman, in front of the rest. Ici, Muhammad est en train de montrer qu'il n'avait pas de modestie. Sa modestie, c'était seulement devant Uthman. First, he can show whatever he wants. Here, your prophet, he is agreeing that he have no modesty. His modesty only in front of Uthman. In front of the rest, he can show whatever he wants. Devant les autres, il peut montrer tout ce qu'il veut, sauf devant Uthman. There's different levels of modesty, so is il y a différents niveaux de la modestie. This is like extra, so he's doing. So. What extra? Non, ça c'est juste extra modestie. This is like extra, so he's doing. So. What extra? My friend, he just said that he's. Quel extra? Quelle modestie extra? Il montre. Said, shouldn't I show modesty? So which means he was not showing modesty. Ici, il dit que ne devrais-je pas montrer de la modestie. Cela veut dire qu'il ne montrait pas de la modestie. So now he is showing modesty because Uthman entered. So Uthman obviously is higher from Abu Bakr. Maintenant, il montre ici de la modestie devant Uthman. C'est que Uthman était plus élevé qu'Abu Bakr. Higher from Omar. Uthman était plus élevé en rang plus que même Omar. And you know, he is the one even he collect the Quran after that. Et c'est même Uthman qui a même écrit qui a récolté le Coran. The reason here, now he is showing modesty because Uthman entered. So Uthman obviously is higher from Abu Bakr, higher from Omar, and you know he is the one even he collect the Quran after that. The reason here, the reason Muhammad he fixed his clothes because Muhammad he take his money for a long time from Uthman. La raison pour laquelle Muhammad a même changé sa posture et changé ses habits, c'était puisque Muhammad pendant très longtemps il prenait tout son argent à partir de Uthman. C'est Uthman qui lui donnait l'argent. Uthman, the biggest donator. Uthman, c'était un grand sponsor de Muhammad. Rich man. So Uthman, the rich man, he entered the house. Muhammad, he changed the way he said. C'était un homme riche. Maintenant, le rich man, l'homme riche, Uthman est entré et Muhammad a changé sa posture. Because this is an investor. Puisque Uthman, c'était un investisseur. Pour Muhammad. So now we will not sit as we sit usually. Donc nous n'allons pas nous mettre dans la même posture que nous nous mettions. Showing our ass. Now here. Montrant nos fesses.
It's Muhammad. He changed the way he said, because this is an investor. So now we will not sit as we sit usually, showing our ass. Now here, let us ask you. The angels are shy from Uthman. Attends, je vais te poser la question maintenant. Les anges, ils montrent de la modestie. Ils sont timides devant Uthman. Why? Pourquoi? Ok. On va montrer ça en français pour l'audience francophone. C'est à titre d'éducation. Alléluia. Ça, c'est le hadith. Alors, on a essayé de mettre ça en français, ok. Mais ça ne nous a pas tout donné. Ça, c'est Saïd Muslim numéro 2401. Il dit, Aïcha a rapporté, le messager d'Allah était allongé dans le lit de mon appartement avec sa cuisse découverte. Et Abou Bakar a demandé la permission d'entrer et il lui a été donné, il a conservé dans le même état où il était, la cuisse ou la tige du prophète découverte. Alors Omar a demandé la permission d'entrer et cela lui a été donné et il a conservé dans cet état même. Alors Uthman a demandé la permission d'entrer, le messager d'Allah, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, s'est assis et il a remis ses vêtements en ordre. Muhammad, l'un des narrateurs, a dit, je ne dis pas que c'est arrivé le même jour, il dit, Uthman est alors entré et a conservé alors qu'il sortait. Aïcha a dit, Abou Bakar est entré et vous n'avez pas bougé et vous n'avez pas observé beaucoup de soins. En arrangeant vos vêtements. Alors, Omar est entré et vous n'avez pas bougé, vous n'avez pas arrangé vos vêtements. Alors, Uthman est entré et vous vous êtes levé et vous avez arrangé vos vêtements. Alors, Muhammad a répondu. C'est là que la liste s'est arrêtée, mais j'ai continué ça sur Google. Vous voyez ce que Google dit? Il dit, Uthman est entré et vous vous êtes levé et vous avez mis vos vêtements en ordre. Alors il dit, ne devrais-je pas faire preuve de modestie envers celui à qui même les anges font preuve de modestie? Ça c'est le hadith. Ok, on va retourner à Christian Prince. Ok, ça va. Amen. Shy from Uthman. Why? Shy from Uthman. Now, we will not sit as we sit usually. Donc, nous n'allons pas nous mettre comme nous nous mettons. Showing our ass. Now, here, let us ask you. The angels are shy from Uthman. Why? Je te pose la question. Pourquoi est-ce que les anges montrent de la modestie devant Uthman? Pourquoi? Amen. I don't know. Je ne sais pas. Okay. Are the angels shy from your prophet? Okay. Est-ce que les anges montrent de la modestie? Sont-ils timides devant votre prophète? Je n'ai aucune idée. What do you mean you got no idea? Obviously not, because comment tu dis que tu n'as aucune idée? Donc évidemment tu n'as pas d'idée, c'est non. Muhammad is showing his Oh, évidemment donc c'est qui il ne montre pas de la modestie, c'est non. I got no idea. What do you mean you got an idea? Obviously not, because Muhammad is showing his legs in front of foreign people, and yet. Donc les anges n'ont pas de la modestie envers Muhammad, puisque Muhammad est en train de montrer ses cuisses devant les étrangers qui étaient dans sa maison. He is saying, now I will do modesty. So the angels are not shy from Muhammad when he.
Donc, les anges maintenant disent qu'on va faire maintenant la modestie lorsque Osman est entré. Donc, les anges n'ont pas de respect envers Muhammad. He's showing his legs. The angels are shy from Osman. Who is Osman? Et maintenant, les anges ont honte devant Osman. Ils sont timides. Ils montrent de la modestie. Qui est ce Osman? Osman. Who is Osman? Why the angels are showing? How do you know the angels are even there in the first place? Why not? Are you? Maintenant, comment est-ce que Christian Prince, comment est-ce que tu sais que les anges étaient là-bas? D'abord, comment est-ce que tu dis ça? But how do you know the angels are even there in the first place? Why not? Your prophet, he just said that. He said, shouldn't I be modest from a guy? The angels are shy from him. Mais c'est votre prophète qui dit que ne devrais-je pas avoir de la modestie, un homme devant lequel même les anges montrent de la modestie? So he, when he just general, it's not saying that the angels are there and having modesty. He's saying that. Non, ça c'est en général qu'il dit que il n'a pas dit que les anges étaient là-bas et ils montraient de la modestie. He's saying, you see, you're reading translation, my friend. Non, non, puis c'est parce que tu es en train de lire la translation et l'écriture en arabe est là. Lui a dit, c'est en arabe est là. On a écrit. Ala astahi. من رجل تستحي منه الملائكة. Yeah. Okay. Shouldn't be I ashamed from a man? The angels will be ashamed of him. Will be like in trouble because he show up. Ici en arabe, il dit que ne devrais-je pas avoir honte devant l'homme devant lequel même les anges ont honte de la manière dont je me présente. Même les anges, lorsqu'ils se présentent, ils ont honte devant Osman. Yeah, so it's not saying that angels are there. And be, mais le hadith ne dit pas que les anges étaient là-bas. Having modesty. He's saying that the angels do have it. Et il n'a pas dit que les anges étaient là-bas et montraient de la modestie. Il dit tout simplement que les anges montrent de la modestie. Ils ont honte devant Osman. What the angels are there? Oh, hold on. Muhammad was showing. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? His almost his ass. He did not cover showing his almost his ass. Muhammad was showing his almost his ass. He did not cover. He did not cover. Attends, je te montre. Muhammad ici, il était en train de montrer tout son corps, presque même ses fesses, et il ne se couvrait même pas. But when Uthman, when Omar. Non, on a dit ses cuisses. When Khalid, when Omar and Abu Bakr. But when Uthman he entered, he changed the way. And why? Because don't you wear shorts? Abu Bakr est venu, il n'a pas changé sa position. Même Omar est venu, mais lorsque Uthman est venu, il a changé sa position. Don't you wear shorts? Do what? Don't you wear shorts? Shorts. Il portait des culottes. What in the summer, don't you wear shorts? There's no shorts. Quelle culotte? Short at that time, there's no short. People don't even wear underwear. Non, à cette époque, il n'y avait pas de culottes. Il ne portait même pas des sous-vêtements. So people wear undergarments. No, your prophet he. Non, les gens portaient des vêtements en dessous. You know what? You know your prophet he used even to dry his hand in the wall. Tu vois à cette époque-là, même votre prophète il séchait ses mains en touchant les murs. Of course, them times that's what they did. Oh, no. Ah oui, mais à cette époque-là, c'est ce qu'il faisait là. Why he have people? They have a clothes at that time. Why he dry his house? Yeah, they don't have to. Non, mais à cette époque, les gens avaient des habits, tout ça, des vêtements. Maintenant, pourquoi celui il séchait ses mains à partir du mur? Tissue, they have all this stuff. No, they have. Il n'avait pas de papier hygiénique, tout ça. The fabric, they have fabric. Don't they have? They have a clothes. Don't they have a fabric to dry? Yeah, it costs a lot of money. Non, ils avaient aussi des tissus à cette époque-là. N'avaient-ils pas des tissus pour sécher les mains? So when you have sex and you do etc. or you do ablution, you dry your hands in the wall. What we will have in the wall? Picasso painting. Maintenant, lorsque vous avez le sexe ou bien lorsque vous faites les ablutions, vous lavez les mains. Vous mettez vos mains au mur. Mais quelle peinture est-ce que vous aurez dans le mur? Vous aurez la peinture de Picasso ou quoi? No, you wash your hands and then you dry. You dry it where? Vous lavez vos mains et vous séchez les mains.
On the wall, they did that in the past. But vous l'avez où? Donc, dans le mur. Muhammad, he touched the ground first. He touched the ground and then he touched the wall. Muhammad, de lui, il touchait d'abord le sol et puis il touchait le mur. Yes, so does he put it on the soil but and the ground is not a oui, mais il touchait d'abord le sol. Écoutez. The ground is dirt. You know, the houses in the time of Muhammad, they are dirt. He touched the ground and then he touched the wall. Yes, so does he put it on the soil but and the ground is the not a tire. The ground is dirt. You know, the houses in the time of Muhammad, they are dirt. This is a desert house. Mais le sol, c'était, il y avait de la saleté là. À cette époque-là, ils avaient des maisons en terre. Hein? À cette époque-là, en Arabie. The time of Muhammad, they are dirt. This is a desert house. Ce sont les maisons du désert qu'ils avaient à cette époque. So when you touch, if your hands is wet and you touch the dirt and then you dry your hand in the wall, what happened to your wall? Maintenant, alors, si tes mains sont sales, tu les laves et puis tu touches le sol et puis tu vas toucher le mur. Quelle impression ça va marquer dans le mur? Nothing, just gets remodi. Let me ask you, what do you think about somebody having light? Let me ask you, what do you think about dry your hand in the wall? What happened to your wall? Nothing, just gets remodi. Ah, il n'y aura rien, ça sera juste de la boue dans le mur. Let me ask you, what do you think about somebody having lice? Attends, je vais te poser la question. Qu'est-ce que tu dis d'un homme qui a des poux? Un homme qui a les poux? Lice. Les poux? Les puces? It depends where you live in. According to that, you have lice. Ça dépend de l'endroit où tu vis. Lice. What is the reason of lice? Quelle est la raison pour laquelle un homme peut avoir les puces ou bien les poux? Have lice. Les poux. No idea. Je n'ai aucune idée. What is the reason? You don't know? Do you know the reason? If you don't take a shower, if you don't wash yourself. Si tu ne te laves pas, tu ne te baignes pas. No? Where do the lice even come from? D'où viennent les puces ou bien les poux? Lice is an insect. Les poux, ce sont des insectes. Yeah, where do they come from? Et d'où ça vient? They are insects. What do you mean they come from? Ce sont des insectes. Qu'est-ce que tu dis, ça vient d'où? Yeah, so what's your point? Maintenant, qu'est-ce que tu veux dire dans tout ça? I'm asking you, what do you think about somebody is full of lice? Maintenant, qu'est-ce que tu veux dire? Bon, qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qui a beaucoup de poux dans sa tête? De poux dans ses cheveux? Like you said, maybe they never. Maybe the cleanliness wasn't. Depending where they're living. Bon, peut-être la propreté n'était pas là bien. Bon, peut-être l'endroit où ils vivent. The cleanliness wasn't, you know, perfect. Bon, peut-être c'est un endroit qui n'est pas propre là où ils vivent. No, is it because of dirt? Est-ce que les poux viennent à partir de la saleté? Is it because you are not taking a shower, you are not washing yourself? Est-ce puisque tu ne prends pas le bain, tu ne te laves pas? Possibly. Possible. C'est possible, oui. Probably. Because in our times, the people they have lice and they have showers every day, so. Ah oui, puisque dans notre époque ici, les gens n'ont plus de poux, ils se lavent chaque jour, donc. It's, you can have lice without. Okay, but your prophet is. Mais tu peux pas avoir de poux comme ça. Said that the prophets of Allah are examined by lice. Mais là, votre prophète a dit que les prophètes d'Allah sont tentés par les poux ou bien les puces. Is that true? Est-ce que c'est vrai? Where did I say that? Yeah. Où est-ce qu'on a dit ça? I mean, each time I say something to a Muslim, he says to me why he says that. Chaque fois que je parle à un musulman, il me demande c'est où est-ce qu'on a dit ça? C'est écrit où? It's good to look at it. Okay. Non, je dois voir ça. Yeah, I will try to find it for you, but I'm just asking you now. Non, je cherchais ça pour toi, mais je te pose la question. Is that true?
that God, that God, he examined his prophets by lies. La question que je te pose, est-ce que Dieu, est-ce qu'il tente ses prophètes à partir de poux, ou il les tente, ou bien il est en train de les mettre à l'épreuve avec les poux? Yeah, apostle, I haven't read it, but if that happens, it's a minor point. It's not a major point. Ah bon, si ça, c'est comme ça, ça arrive comme ça, donc c'est un petit point, ce n'est pas un grand point. What a major point. How he examined you by lies. Qu'est-ce que tu veux dire, un point majeur, un grand point, petit point, point majeur, point mineur. Qu'est-ce que le met à l'épreuve à partir des poux, c'est quoi? If someone has lies, it's like part of the human. No, it's saying donc les poux dont sont dans la tête, les cheveux des humains ici. Non. Muhammad, he says, inna ma'ashar al-anbiya yudha'ifu lana al-bala. We, the people who they are prophets, Allah, he double our suffering. Il dit que nous, les gens qui sont des prophètes, Allah, il augmente, il redouble nos souffrances. How? He said by lies. Il dit que il redouble nos souffrances à partir par le poux. Il nous met à l'épreuve pour souffrir par le poux. So if you have a lies, that means you're a prophet because this is a double of suffering. Donc si tu as des poux dans les cheveux, c'est que tu es un prophète, puisque c'est une souffrance qui est double. This narration. Tu peux me donner la source de cet hadith ici, la source de la narration. Hein? This narration is in Sahih. Est-ce que c'est hadith, c'est-il Sahih? This is it says Sahih wa sahaha wa al-hafiz. Oui, c'est confirmé là, c'est Sahih. Then, and even Al-Albani, he said it's Sahih. Même Albani a aussi confirmé que c'est Sahih. Which kitab? Quel livre ça? You can read it from Abi Sa'id al-Khudri. Je veux dire dans le livre d'Abi Sa'id al-Khudri. So what do you say? Qu'est-ce que tu dis? So he says Allah, that it's a test. Allah, he double. Yeah, Allah, he tests his prophet by the lies. Allah met l'épreuve sur ce prophète par les poux. What's the problem with that? Où est le problème avec what do you mean? Why Allah, he tests his prophet by lies? Comment is like, Allah, his lies like sex, his lies. I mean, what? Why lies? Comment est-ce qu'Allah met ce prophète à l'épreuve par les poux? Est-ce que le poux, c'est comme l'épreuve du sexe ou quoi? Allah has with a lot of things, you know. So now you are a prophet of God. You want to invite people to. Allah nous teste par beaucoup de choses. Believe in this God, and then you are full of lies. Maintenant, toi, tu dis, il est prophète de Dieu. Maintenant, Allah le met à l'épreuve à partir même des poux. And this is supposedly a test from God. What that will do? I mean, what that will do to you? Et ça, c'est supposé être l'épreuve de Dieu. Qu'est-ce que ça va vous faire? What is the benefit? Quel est le bénéfice de tout ça? Be tested with lies one day and that's it. Oui, on peut être tenté par le poux, mais il y a la preuve par le poux, comme dit. What? Qu'est-ce que tu dis? How do you know? You said he's full of lies. How do you know? Like, it's every day he had lies. Bon, tu dis qu'il avait beaucoup de cheveux. C'était comment? Chaque jour ou quoi? Et beaucoup de poux dans les cheveux. How Allah is testing me by lies? Comment est-ce que Allah met à l'épreuve à partir de poux? I'm trying to understand from you how Allah is testing me by making lies attacking me. What is that? Je veux comprendre comment est-ce que Allah fait que il me met à l'épreuve en faisant que le poux puisse m'attaquer. Qu'est-ce que ça veut dire? I haven't read the narration anywhere before. Okay, can we? No, je dois lire la narration de cet hadith ici. Can we call the lies names? Est-ce qu'on peut appeler des poux des noms? Can we say we condemn the lies? Can we say damn you lies? Can we say that? Je veux dire, est-ce qu'on peut condamner
le pour, donc dire quelque chose à propos de pour. Non, I don't know. Ah, je ne sais pas. Your prophet, he said, don't curse the lice. Why? Votre prophète a dit, ne maudissez pas les poux, les insectes, ou bien les puces. Ne maudissez pas les poux. I'm trying to find it in English. I cannot find anything in English. J'essaie de trouver ces hadiths-là en anglais. Je ne trouve pas ça en anglais. C'est toujours en arabe. Why we cannot curse the lice, do you know? Pourquoi est-ce que nous ne devons pas maudire les poux? Tu sais pourquoi? Non. Non, je ne sais pas. According to your prophet, because the lice, they keep us, you know, we cannot sleep if we have lice. So they keep us awake. D'après votre prophète, il dit que on ne peut pas dormir lorsqu'on a des poux. Donc les poux nous gardent éveillés. Is that true? Est-ce vrai ça? Yeah, they do keep us awake. So now the lice are blown. Ah bon, si ils nous mettent, ils nous éveillent, ils nous réveillent chaque fois. Hein? Blessed animals. Why? Because they suck our blessed animals. Why? Because they suck. Is that true? Donc, les poux sont des animaux qui sont bénis. Yeah, they do keep us away. So now the lice are blessed animals. Why? Because they suck our blood and they keep us away. We can't sleep. We have to keep itching. Donc les poux, ils ne font que nous piquer la tête et ils sont en train de boire notre sang. Ce sont des animaux qui sont bénis, des insectes bénis. Et on ne peut même pas dormir. On doit se gratter la tête toute la nuit. I haven't heard anything about the lice. Ah, je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu quelque chose à propos des poux. Read carefully with me. Anas ibn Malik, this is your Muslim translation. Tu peux lire avec moi. Là, c'est la translation de vous, les musulmans. On dit Anas ibn Malik dit. Reported that a man, he cursed a fleas in the presence of the prophet. Il y avait un homme qui avait maudit les puces dans la présence du prophète. May Allah bless him and grant him peace. The prophet, may Allah bless him and grant him peace, he said, don't curse. Et le prophète, qui Allah le bénisse, le maire de la paix, et Allah, Muhammad a dit, ne maudissez pas. Them. A flea woke up, don't curse them. A flea woke up one, a prophet for a prayer. Is that for real? Il a dit, ne maudissez pas, ne le maudissez pas, ne maudissez pas les puces. Il y avait un pou, ou bien une puce qui avait réveillé un prophète pour le moment de la prière. Est-ce vrai ça? Yeah, of course you shouldn't be cursing anything. It's No. Oui, mais vous ne devez rien maudire ici. No. You curse all, you know, Muslims. You curse everything. You curse the Christians. You curse Jews. You curse the Hindus. You curse everything. Even you curse your children. No. Vous les musulmans, vous maudissez tout. Vous maudissez les juifs. Vous maudissez les chrétiens. Vous maudissez les hindous, tout ça. Vous maudissez toutes choses. You curse Jews. You curse the Hindus. You curse everything. Even you curse your children. No. We personally do not do that. No, you do that. Nous ne faisons pas ça. Nous ne maudissons personne. No, you do that. I can show you tons of prayer. Allahumma la'an. Allahumma la'an. Allahumma la'an. All your prayer is a cursing. Don't change the topic now. Je vais te montrer des tonnes de citations, tout ça. Toutes vos prières là, c'est que Allah le maudisse, que Allah le maudisse, que Allah le maudisse. Toutes vos prières, c'est la malédiction. Allahumma la'an. All your prayer is a curse. Allahumma la'an. Allahumma la'an. Allahumma la'an. All your prayer is a cursing. Don't change the topic now. Il faut pas changer de thème. Why, if a lice, she woke up a prophet to pray. Who is this prophet? Maintenant, si Allah avait, si un pou, une puce avait, je sais pas si un puce ou une puce. Le plus avait levé un prophète pour prier. C'était de quel prophète dont il s'agit ici? Donne.
Je ne sais pas. Is this a holy light sent by Allah to wake up the prophet? Est-ce que c'était un saint pou, un pou qui était saint, qui a été envoyé par Allah pour réveiller un prophète? Is this a holy light sent by Allah to wake up the prophet? Just a probably a normal fly. Okay, so what? Ah, bon, c'était juste un peu normal. Why this fly she woke up this prophet? Et pourquoi est-ce que ce pou a éveillé de son sommeil le prophète? And now because she woke up a prophet, we cannot curse the lice. So we can curse all the other animals, but the lice, no. Donc on peut maudire les autres animaux sauf le pou. On va vous montrer cet hadith en français. Ils disent aussi, le livre des bêtes, dans les hadiths, il dit, Anas ibn Malik a rapporté qu'un homme a maudit les puces en présence du prophète, que Dieu les bénisse et lui accorde la paix. Et le prophète a dit, que Dieu les bénisse et lui accorde la paix. Il a dit, ne le maudissez pas, puisque les puces ont réveillé un prophète en prière. Le prophète dormait, les puces l'ont éveillé pour la prière. Ok, nous allons continuer avec Christian Prince. Ou bien on arrête ici, on va relancer ça dans une seconde. Qui est ce prophète? Is this a holy light sent by Allah to wake up the prophet? Ou bien ça c'était un pou qui était saint, qui a été envoyé pour réveiller le prophète? It's just probably a normal fly. Ah, c'était juste un peu normal, ordinaire. Okay, so why this fly she woke up this prophet? Et maintenant, pourquoi est-ce que et comment est-ce que ce pou a réveillé le prophète pour prier? And now, because she woke up a prophet, we cannot curse the lice. So we can curse all the other animals, but the lice, no. Et comme le pou a réveillé ce prophète pour prier, on ne peut pas maudire les poux et les puces, et les autres animaux, nous pouvons les maudire. You shouldn't curse anything. You know your prophet, he says. Non, nous ne devons rien maudire. Even kill the lizard. No, your prophet, he says, even kill the lizard. Mais votre prophète Muhammad a dit qu'il faut même tuer les lézards. Kill the dogs. De tuer les chiens. What are you talking about? Tu parles de quoi? You killed the scholar said there was you're a prophet. He said, les savants disent, the enemy of Allah is the mice. The mice is the enemy of Allah. Votre prophète a dit que la souris était l'ennemi de Allah. Le rat, c'est l'ennemi de Allah. So how is that a blessed flea? What does that mean? I mean, don't curse it. Est-ce cette puce ici est-elle une puce bénie pour que Muhammad dise il faut pas maudire cette puce? Why? Because this lie she woke up a prophet. What does that mean? Puisque cette puce avait réveillé le prophète pour prier, qu'est-ce que ça veut dire? She is eating his blood. She is sucking his blood. Since when this is good? Eh mais cette puce est en train de boire le sang, de sucer le sang. Mais qu'est-ce qui est bon par rapport à ça? So according to your prophet, in one statement he said that the lice are a trial from Allah. Non, d'après votre prophète, il dit que d'un côté il dit les poux, c'est une épreuve de Allah. Another verse he says that lice are a blessing from Allah because they wake up to pray. Et de l'autre côté il dit que les poux c'est une bénédiction de Allah puisqu'il vous réveille pour faire la prière. No, this is not lice, it says fleas. Non, non, là, c'est, on n'a pas écrit le pou, on a écrit le puce. On parle de la puce ici, pas du pou. And my friend is the same. And the insects sucking your blood, this is what they do. Same. And the insects sucking your blood, this is what they do.
Non, mon ami, c'est la même chose. Ce sont des insectes. Ils ne font que sucer le sang. C'est tout ce qu'ils font. Oh, please, a different one, nice. Okay, what is it? Non, non. Les poules sont différentes des puces. Please explain to me. Let's see how. Quelle est la différence entre les puces et le poule? Est-ce que tu peux m'expliquer la différence? See how they look. Bon, la différence, c'est leur forme, la manière dont ils apparaissent. How they look. Comment est leur apparence? Yeah, they're kind of same. Look how beautiful they are. So according to your prophet, those are beautiful and don't curse them. Regardez comment les puces sont belles. Et d'après votre prophète, on ne doit pas maudire les puces. Don't curse them because you know Allah. The creation of Allah. Il ne faut pas maudire les puces. Puisque vous savez, Curse them because you know Allah. The creation of Allah. The creation of Allah created you know them. you Ah oui, ce sont les créatures d'Allah. curse everything, you curse all, you curse a human being. Don't you curse everything, you curse all, you curse a human being. Don't you pray every day, five times a day, say. Ah ben vous, les musulmans, vous maudissez tout le monde, vous maudissez toutes choses. Chaque jour, vous priez même 5 fois pour maudire. As a human being, don't you pray every day, five times a day? It says Allah, don't make us the same as the lost Christians and the cursed Jews. Vous priez 5 fois par jour la Al-Fatiha. Vous dites que ne fais pas de nous, ne nous fais pas comme les chrétiens qui sont perdus et les juifs qui sont maudits. The cursed Jews. Les juifs maudits, vous priez 5 fois par jour. The curse by who? Cursed by Allah, not. Maudit par qui? Mais maudit par Allah et non pas. Okay. And he just said Jews or No, you Christians. ask Allah, always the curse, you ask Allah to curse. It's not you who is cursing, you cannot curse because supposedly you are not God. Oui, mais la malédiction, là, vous demandez à Allah pour qu'il puisse maudire. Puisque vous ne pouvez pas maudire, vous n'êtes pas Dieu, donc vous priez à Allah qu'il puisse maudire les Juifs. But you ask You're Allah not to curse. translating it. Mais vous demandez à Allah qu'il puisse maudire, n'est-ce pas? Ask You're Allah not to curse. Translating it properly. It Ok, let says. me Non, non, Christian Prince, tu n'as pas bien fait la translation ici. Tu n'es pas en train d'interpréter bien ici. Parce que let me ask you. If a, if a woman, if a woman, she take hair from her face. Attends, je vais te poser la question. Si une femme enlève le poil de sa face, si elle fait l'épilation, Who is the one who's going to curse her, Allah or you? qui va maudire cette femme-là? Est-ce toi ou bien Allah? If a woman what? Si une femme fait quoi? If a woman she take hair from her face. Si une femme enlève le poil de sa face. Yes, it's Allah that. Why? Ah oui, c'est Allah qui va la maudire. Pourquoi? Changing the creation of Allah. Ah, puisqu'elle change la création de Allah. What does that mean? Qu'est-ce que tu veux dire? So whatever Allah give natural, they shouldn't deviate from that. Okay. Ah oui, puisque Allah les a fait naturellement, alors elle ne doit pas dévier de ça. So now, if a woman she take hair from her face, Allah is going to curse her. Donc, si une femme enlève le poil de sa face, Allah va la maudire. Be honest with me. Do your wife take Understand. hair from her No, face? this is. Sois honnête avec moi. Honest with me. Do your wife take Understand. hair from her No, face? this is. Est-ce que ta femme enlève le poil de sa face? There's a certain you can take hair from it if it's needed, but it shouldn't be to nowadays women they make it so thin and stuff like that, changing the appearance how a woman should look. So if you Ah oui, bon, elle peut le faire s'il y a vraiment, vraiment un besoin de le faire. Mais aujourd'hui, les femmes, elles le font juste pour le plaisir de le faire, pour changer comment. Elles changent même leur apparence. You change the appearance, Allah will curse you. Donc tu dis que si elles changent leur apparence, Allah va les maudire. That one will be a curse, yeah. Okay.
Oui, la femme sera maudite. Oui, ok. So, is that because you are changing the creation how Allah He made you, correct? Donc, tu veux dire que c'est puisqu'elle change la manière dont Allah les avait créés. Yes. So, oui. Why you do circumcise? So, why you do circumcise? Maintenant, pourquoi est-ce que vous faites la circoncision? Because this is a command of Allah, so He told us. Puisque c'est un commandement de Allah. To do it. How Allah He command? Il nous a commandé de faire ça. This is a command of Allah, so He told us to do it. How Allah He command you to change His creation, and at the same time He curse you if you change His creation? Maintenant, comment est-ce que Allah vous recommande de changer la création et en même temps il vous maudit pour changer la création? It's like cutting your nails. So obviously Allah created you with nails, so you're going to He told us to cut it. Ah oui, mais c'est la même. C'est comme couper ses ongles. Nous devons couper nos ongles. C'est comme ça que Allah nous a créé. Donc on doit faire ça pour la propreté. Okay. Hold on. So, attends. So, if a woman, she take hair from her face, what is the business with Allah? How that is against Allah? Maintenant, si une femme enlève le poil de sa face, qu'est-ce que ça dérange Allah? Où est le problème de Allah? Because they're changing Allah, what Allah has created for that person. But you just said to me, puisqu'elle change la manière dont Allah les a créés. You can cut your nails. And you, as a Muslim man, you can even trim your mustache, and even you can shave, correct? Mais tu viens de me dire que vous pouvez couper vos ongles, vous coupez les ongles. Et vous, en tant que musulman, vous pouvez même couper, tailler votre moustache, n'est-ce pas correct? So I can't do certain. Okay. Oui, mais moi je ne fais pas ça. So you can shave your hair from your face, and you are a man. But if a woman, she take hair from her face, and she is a woman, Allah will curse her. Don't you think that this is absurd and this is really silly? Maintenant, vous, en tant qu'homme, vous pouvez enlever le poil de votre face, à la barbe. Mais si une femme fait ça, elle est maudite. N'est-ce pas absurde et stupide? She's a woman. He should make it the opposite. He should say, okay, well, if you are a man, you take hair from your face, I will curse you. Oui, mais puisqu'elle est homme, elle est femme, elle doit prendre soin d'elle, elle doit paraître belle. Ça devrait au contraire être le contraire. Allah devrait dire, si un homme enlevait la barbe, il serait maudit. But he do the opposite. He say, if you are a man, it's okay. Mais Allah fait l'opposé. Il dit que si vous êtes un homme, c'est bon. If you are a woman and you do that, I'll curse you. Mais si vous êtes femme, vous faites cela, je vous maudis. But the women, they need to take hair from their face. Mais les femmes ont besoin d'enlever le poil de leur face. Because they are females. No, puisque ce sont des femelles. No, even with a male, if he takes his beard off, he'll be sinful. No, my friend. Même pour les hommes, si elle enlève la barbe, c'est un péché. And you can shave and you be sinful. No, my friend, you can shave and you'll be your prophet. He used to color himself red head. Non. Mon ami, vous pouvez couper. Hein? Même votre prophète lui-même, il changeait même la couleur de ses cheveux. Il colorait ses cheveux en teint rouge. Is it what? Muhammad, he colored himself. Quoi? Muhammad, lui, il changeait la couleur de ses cheveux. Don't Muhammad, he color his hair to make it red? N'est-ce pas que Muhammad, il mettait de la couleur dans ses cheveux pour que ses cheveux puissent paraître rouges? His beard. Non, c'était sa barbe. Oh, his hair, all his hair. So, okay, beard, let us go with it. Non. Il colorait, il mettait la couleur dans ses cheveux. Beard, let us go with the beard. So a woman, she take hair from her. Ok. Comme tu dis, barbe, prenons même la barbe de Muhammad. A beard, let us go with the beard. So a woman, she take hair from her face is a change of the look of Allah.
making your beard red is not the change of the creation of Allah? Maintenant, une femme qui enlève le poil de sa face, elle change la création de Allah. Mais vous, Muhammad, qui mettez la couleur rouge dans sa barbe, ce n'est pas changer la création de Allah, ça? So you're allowed to do certain things in Islam. Oui, mais c'est permis. Il y a certaines choses dans l'islam qui sont permis. No, it's not allowed. Qu'est-ce que tu veux dire que c'est permis dans l'islam? Non, c'est pas permis. Either you are forbidden from changing the way Allah He made you, and that goes for everybody. Soit vous êtes interdit de changer la création d'Allah, la manière dont Allah vous a fait, et cela s'applique à tout le monde. Or you don't make it as you see here now, Muhammad. Ou bien tu le fais pas ici, comme tu vois Muhammad ici. He changed his hair, and now the Muslims they follow. So now all the Muslims are allowed to change the color of their hair. Muhammad il change la couleur de sa chevelure, et maintenant tous les musulmans ont commencé à imiter, donc ils sont permis de changer la couleur de leur chevelure. But if a woman she take hair from her face, she is changing the way Allah He made her. Mais si une femme ose faire ça, elle change la manière dont Allah l'avait créée. She can't, you know. Elle ne peut pas, tu sais. Okay, why? I mean, my friend, listen to me. Non, mon ami, pourquoi? Écoute-moi. The Muslim women, Muhammad, he told them to shave their vagina. Is that correct? Les femmes musulmanes, Muhammad les a permis, les a ordonné de raser leur vagin. Est-ce correct? Women, Muhammad, he told them to shave their vagina. Is that correct? So he told even a male, female to listen. Il a mis dit aux hommes, aux femmes. Donc, non, écoute. Was your prophet doing an aura? Est-ce que votre prophète il faisait an aura? What's an aura? An aura, c'est quoi? Waxing. Waxing, épilation, enlever la peau grâce à un produit qu'on mettait sur la peau pour enlever le poil, pardon, enlever le poil du corps en utilisant un produit. Waxing. Waxing. Yeah, on the arms. Ah oui. Les aisselles. What? Yeah, so he... What? Armpits. Yeah, so he advised us to pluck the armpits. But no. Oui, il nous a conseillé d'enlever le poil des aisselles. Muhammad, he used to do waxing for all his body. Non, Muhammad lui enlevait le poil sur tout son corps. Il était en train d'épiler son corps. Is that a change of his the Allah creation? Est-ce un changement à la création de Allah? All his body. Tu veux dire tout son corps? Where did you say that? C'est écrit où? Où est-ce qu'on a dit ça? Each time I say something, you say to me, where is that? And he will keep showing you. Mais chaque fois que je parle, tu me poses la question, on a dit ça où? C'est écrit où? Je te montre ça. Et avant cela, je vais vous montrer les hadiths ici que Christian Prince a montré. On va montrer ça en français pour notre audience francophone. Le hadith est là. C'est en français. Sahih Muslim, numéro 25. Abdullah rapporta qu'Allah avait maudit les femmes qui tatouaient et qui se faisaient tatouer, celles qui épilaient, enlever le poil du visage, de la face, donc qui s'épile le visage, et celles qui ménagent des espaces entre leurs dents pour changer ce que Dieu a créé. Cette nouvelle parvint à une femme de la tribu d'Assad qui s'appelait Yaqub et qui avait l'habitude de réciter le Saint-Coran. Elle vint lui dire, « Quelle est cette nouvelle qui m'est parvenue de toi que tu maudisses ces femmes qui t'attouchent
ces femmes qui se font tatouer, les femmes qui s'arrachent les poils du visage et qui font l'espace entre les dents pour embellir ce que Dieu a créé. Là-dessus, Abdullah dit, ne devrais-je pas maudire celui sur qui le messager d'Allah a invoqué la malédiction, et cela est également dans les livres. Ça, c'est un hadith. Nous nous arrêtons là où Christian Prince s'est arrêté et nous allons continuer avec Christian Prince. La vidéo est là. Shalom. C'est bon, ok, on continue. I'm asking you now. Okay. Je te pose la question maintenant. No problem. I will show you, but I'm asking you. Non, il y a pas de problème. Je vais te montrer. If you take hair only from one place, you agree that your prophet, according to you, he take hair from where? Bon, tu dis que si tu enlèves le poil d'une place, d'une certaine place, tu as dit que ton prophète vous a permis, il a enlevé le poil de quel endroit? Pubica. Le poil de la région publique au niveau du sexe. Is that to change the way Allah he created you? Est-ce changer la manière dont Allah vous a créé ça? The same thing that needs to be removed, so Allah tells us what we should remove. Okay. Ah oui, la même chose qu'on doit enlever, donc ok. So why the in the pubic area taking hair is fine, but the women in her face she cannot. Maintenant, comment est-ce que c'est bon d'enlever le poil pubien ou bien le poil de la région public, la région du sexe. Maintenant, la femme qui doit enlever le poil de son visage, ce n'est pas permis. If it's too bushy, ah oui, bon, si ça devient beaucoup de poils, comme s'il y avait une brousse, elle peut enlever ça. Qu'est-ce que tu veux dire si ça devient beaucoup comme une brousse là? Ici, il est écrit. It says here, Allah he curses those who block hair from their faces. Et ici, il est écrit, Allah maudit les femmes qui enlèvent le poil de leur visage. Yeah, from other hadiths, we understand that a woman should not look like a man. So if it's and she shouldn't look odd as well. So the point is À partir de cet hadith, nous comprenons que la femme ne devrait pas ressembler à un homme en faisant ces histoires ici. No. It says whoever take hair from her face, Allah he curse her. Non, mon ami, ici il dit que celles, les femmes qui enlèvent les poils de leur visage, celles-là sont maudites par Allah. In the same time, you do waxing. Et en même temps, vous vous épilez. And you are a man. Et vous êtes un homme. And you do change the color of your hair. And you are a man. Et vous changez même la couleur de votre chevelure. Et vous êtes un homme. And you shave your beard. And you are a man. Et vous enlevez même votre barbe. Vous vous rasez. Et vous êtes un homme. But if a woman should do that. Mais si une femme faisait ça. But if a woman should do that, moi je ne me rase pas. Je ne me rase pas. What do you mean? Qu'est-ce que tu veux dire? Muslims are allowed to shave their beard. Show me a hadith says a Muslim man cannot shave his beard. Mais les musulmans sont permis de raser leur barbe. Est-ce que tu as un hadith que tu vas me montrer là où on dit que les musulmans ne doivent pas raser leur barbe? Yeah, the hadith says the prophet said grow your beard and trim your mustache. Oui, il y a un hadith qui dit vous devez laisser votre barbe croître et vous devez seulement tailler les moustaches. There's a man that came. No, this is advice. This is not an order. You know. Non, ça c'était un conseil. Ce n'était pas un ordre. It's not advice. And the prophet. Yeah. No. The man came to the prophet and the prophet turned away from him.
because of that. No. Show me what it says. It's forbidden for you to shave your beard. Otherwise, we will not see one Muslim is not shaving his beard. Est-ce que tu peux me montrer là où c'est écrit que vous ne devez pas raser votre barbe? Autrement, tous les musulmans devraient avoir la barbe. On ne devait pas avoir un seul qui a même rasé. This is deduced from the narrations. What? Ah oui, là c'est écrit, c'est dans les certaines narrations. What? This is deduced from the narrations. Quoi? On a écrit ça dans certaines narrations. Okay, let me ask you. Did your prophet circumcise himself? Attendez, je vais te poser la question. Est-ce que votre prophète était-il circoncis lui-même? He was circumcised. By who? Oui, il était circoncis. Par qui? I don't know about it. Ah, je ne sais pas. Never. I never heard of Muhammad being circumcised. Where? Non, jamais. Je n'ai jamais entendu que Muhammad était circoncis. Où? How? Et comment? It's understood because he commanded his followers. Ah oui, on comprend ça puisqu'il avait recommandé à tous les musulmans, à tous ceux qui les suivaient, de se faire circoncire. Followers to do many things, but he never did what they do. He said to them, four wives, he have 13. Ah mais il avait dit à tous les gens qui les suivaient, à ses adeptes, de faire beaucoup de choses que lui-même ne faisait pas. Il leur a dit d'avoir 4 femmes. Mais lui-même en avait 13. Never did what they do. He said to them, four wives, you have 13. He said to them, you, etc. He do, don't approach your wife when they have their period. He approaches a wife when they have their period. Il avait dit à ses adeptes, Muhammad avait dit aux musulmans de ne pas s'approcher d'une femme, de leur femme, lorsque les femmes sont en règle, en menstruation. Mais lui-même, il s'approchait de ces femmes-là. Lorsqu'elles étaient en règle, en menstruation, ils s'approchaient de ces femmes pour le sexe. He said, "Don't piss when you are facing the Qibla." He pissed facing the Qibla. Il a dit à ses adeptes de ne pas pisser en direction de la Kaaba, mais lui pisser en direction de la Kaaba. Muhammad, he said something for them, not for him. He's like Erdogan. Erdogan, he said something to them. He do the opposite. Muhammad, lui, il disait des choses, mais il faisait le contraire. Il lui dit, fais ceci, et puis lui faire autre chose. Il était comme le président turc, Erdogan. Il lui dit de faire quelque chose, mais lui fait le contraire. When they have their period. He said, don't piss when you are facing the Qibla. He piss facing the Qibla. Muhammad, he says something for them, not for him. He's like Erdogan. Erdogan, he said something to them, he do the opposite. No, certain things are only for him, and also, if you were urinating towards the thing he was teaching us that is actually permissible, but it's recommended not to. Ah oui, mais ce que lui, le prophète nous enseignait, c'était de faire quelque chose qui était utile et puis nous montrer ce qui était recommandé. Quoi. It's not allowed to piss into water. Ce n'est pas permis de pisser en direction de la Qibla. But Muhammad, he does. Now, mais Muhammad lui faisait ça. Let me ask you, do you have any reference that your prophet he did circumcised or he was circumcised? And what at what age? Maintenant, je te pose la question. As-tu une référence là où on dit que votre prophète Muhammad était circoncis? Qu'il était circoncis? Et à quel âge on l'avait circoncis? Never been circumcised. So look at this hypocrisy. Il n'a jamais été circoncis. Maintenant, regardez cette hypocrisie. He says and he claims that he is Abrahamic. Il prétend et il dit qu'il était abrahamique. Muhammad était abrahamique, comme il dit. He claims that it is from the ritual of Allah. He claims that this is from the order of Allah. But il dit que ça, c'est le rituel de Allah. C'est l'ordre de Allah. Mais but he is the last one to be circumcised. Mais il est la dernière personne à faire la circoncision. No, lack of evidence doesn't mean that it never happened. Donc, le manque d'évidence ne signifie pas que cela, il n'avait pas fait la circoncision.
No, the lack of evidence, that's on you, because simply this is submission, and even in the Quran. Le manque d'évidence, ça c'est de d'abord, mais cela est même mentionné dans le Coran. What is that? You mentioned the Quran, what? Yeah. Tu dis que c'est écrit dans le Coran, quoi? What in the Quran speak about the circumcision of the prophet? I mean, où est-ce que dans le Coran on a parlé de la circoncision du prophète? Ça devrait être mentionné dans le Coran. In the Quran have time to tell us about the ant speaking to the ant. Le Coran a le temps de nous parler des fourmis. Une fourmi qui parle à une autre fourmi. The flying carpet. Un tapis qui vole. Le tapis de Salomon. The bird. The bird who went to find a woman, she have no hair in her legs, but Allah, he don't have time to tell us about what happened to Muhammad. Allah nous parle même dans le Coran d'un oiseau. L'oiseau qui était parti chercher une femme qui n'avait pas de poils pour Salomon. Mais Allah n'a pas le temps de nous parler de la circoncision de Muhammad dans le Coran. It's minor. Like, let's for argument's sake say he wasn't circumcised. What's the problem? You see my... Bon, admettons que Muhammad n'était pas circoncis. Il n'était pas circoncis. Où est le problème? My point is, all Muhammad behavior, he changed the way Allah, he made you look like, supposedly. But maintenant, ce que je veux dire, c'est que Muhammad, lui, il faisait tout pour changer la manière dont Allah vous a fait, supposément. But now he is cursing the women for just a silly, stupid thing. Does it make sense? Maintenant, il est en train de maudire les femmes pour une chose là, bénigne. Une petite chose bénie. Quelque chose qui n'est même pas, qui est simple, il maudit les femmes. What the business of God with women taking hair from her face? If you can't take hair from your body, if he allow you to take... Maintenant, où est le problème si la femme doit enlever le poil? Mais si les hommes sont permis d'enlever le poil, pourquoi condamner les femmes? Hair from your body? What is specific about the face? Why if she take hair? Why Allah will be happy if your wife she look like a goat? Maintenant, pourquoi Allah est en train de spécifier sur le visage de la femme? Hein? Pourquoi tout ça? Donc, Allah serait content de voir ta femme qui ressemble à une chèvre? This is not even logical. It's the stupid women. Il n'y a pas de logique dans tout ça. C'est stupide. And there are women. She like to be pretty. I mean, imagine a woman now. Les femmes, tu sais, les femmes, elles aiment paraître belles. Imaginez-vous une femme. Middle Eastern, I'm a Middle Eastern. We know we are hairy. Nous, moi, je viens du Moyen-Orient. Nous, les gens du Moyen-Orient, nous avons beaucoup de poils. We are very hairy. Once I was kicked from the swimming pool, they thought I'm wearing my clothes. I told them I'm not wearing anything. This is my hair. Il y a même une fois où on m'avait chassé d'une piscine, là. Ils pensaient que je portais les habits. J'étais en train de nager avec les habits. J'ai dit non, non. Ça, ce ne sont pas mes habits. C'est mon corps. Ce sont les poils. C'est pas les habits, ça. We look like monkeys. So nous sommes comme des singes. We know we are hairy. We are very hairy. Once I was kicked from the swimming pool, they thought I'm wearing my clothes. I told them I'm not wearing anything. This is my hair. We look like monkeys. So a woman, a Middle Eastern woman, she is still hairy. Maintenant, une femme du Moyen-Orient, elle a beaucoup de poils. Because we are. Yeah, so now, puisque c'est comme ça que nous sommes naturellement, nous avons beaucoup de poils. So now, the prophet says, if a woman she black her hair, Allah curse her. He didn't say black, you know, if she is no exception, that's it. Non, Muhammad a dit, si une femme enlève le cheveu, le poil de son visage, elle est maudite. Il n'y a pas d'exception dans tout ça. You cannot block the hair, even you cannot take hair from your eyebrows. Vous ne pouvez même pas enlever vos cils, vos sourcils. Yeah, you can't isolate. No, you cannot. Show me the reference. Show me. No, no, tu peux. The reference. No, where it says that? It says it clearly. You can. Non, donne-moi la référence. Il dit que vous ne pouvez pas le faire. Sinon, tu dois me donner cet écrit où. Cannot. No, from other hadiths, we understand that. No, my friend, there's no other hadith. Mais à partir des autres hadiths, nous comprenons que. From other hadiths, we understand.
comprenez la partie des hadiths là. No, my friend, there's no other hadith. Don't fool yourself. There's no other hadith. Non, mon frère, il n'y a pas d'autres hadiths. Tu n'as pas d'hadiths. Il ne faut pas tromper les gens. You cannot take hair from your face anywhere, not your cheek, not your eyebrows, nowhere. Allah curse you. Vous ne pouvez pas enlever le poil de votre visage. Une femme ne peut pas faire ça, que ce soit de sa face, de ses joues, ou bien de ses cils, des sourcils. Elle ne peut pas enlever des poils. Allah va les maudire. So, all what we notice here, we are jumping like monkeys from place to place to place. Et ce que nous faisons ici, nous sommes en train de sauter comme les singes d'un endroit vers un autre endroit. Muhammad, he say things doesn't make sense. Muhammad disait des choses là qui étaient stupides, qui n'ont pas de sens. He copied from Omar the Quran. Il a recopié le Coran de Omar. He changed the direction of a prayer because of Omar. Il a changé même la direction de la prière, là où les musulmans doivent se tourner pour la prière, à cause de Omar. He changed the direction of a prayer because of Omar. He ordered women to do hijab because of Omar. Il a même ordonné aux femmes de porter les voiles, le hijab, à cause de Omar. And now he is coming with the most silly, crazy stuff that women, if they block hair from their face, Allah will curse them. Et maintenant il vient avec des lois là stupides. Il dit que si les femmes enlèvent les poils de leur visage, Allah va les maudire. What about why he didn't say Allah curse the man who take hair from his face? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit Allah maudit les hommes qui enlèvent le poil de leur face, de leur visage? Why he did not say Allah will do this to a man who do that to his face? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit que Allah va faire ceci à l'homme qui va faire cela à son visage? He did not say that. Why? Il n'a pas There's dit many ça. Many other narrations that apply to both. Like he said, may Allah curse the tattooer and the tattooed, the one who. Il y a des narrations aussi, des hadiths qui disent que Allah maudit ceux qui font les tatous et même celui qui s'est fait tatouer et celui qui tatoue, Allah les maudit. This is all of them. I can show you all of them. They are the same. I can show you all of them. This is in front of you. This is all of them. I can show you all of them. Là, c'est devant nous. Tu vois, les hadiths, c'est là, devant nous. Je peux te montrer tous ces hadiths-là. They are the same. Ils sont les mêmes. It's about the women. C'est à propos de la femme ici qu'on parle. When we talk about taking hair from the face, your prophet, he take hair. Lorsque nous parlons d'enlever le poil de son visage, du visage de votre prophète, il enlève le poil. Your prophet, he color his hair. Votre prophète, il est en train de changer la couleur de ses cheveux. Your prophet forbid the Muslims from coloring their hair black. Why, by the way, why you cannot color your hair black? Votre prophète a interdit aux musulmans de changer la couleur de leurs cheveux, de ne pas mettre la couleur noire. Pourquoi ne pas mettre la couleur noire? I mean, he said not black, but even a woman, she can color her hair. Why? Non, il a dit, bon... la couleur noire, même une femme ne peut pas mettre la couleur noire. Black, why black? Why black is haram? Pourquoi la couleur noire? Hein? Pourquoi le noir est haram? Pourquoi la couleur noire est interdite? What the problem? Où est le problème? Isn't it God who created us with the black hair usually? I mean, what the problem? Those are Arab. Mais n'est-ce pas Dieu qui nous a créé avec la couleur, les cheveux de la couleur noire? Là, ces gens sont des Arabes. Their hair is not blonde. Leurs cheveux ne sont pas blancs. So why? The reason black was because you're deceiving people of your age. La manière, pourquoi est-ce qu'il avait interdit? La couleur noire, puisque c'est comme si tu étais en train de tromper les gens sur ton âge. Because generally people do color their hair black. Puisque généralement les hommes font ça, ils changent la couleur pour tromper. No, he ordered them to make it red. Non. Mais il les a permis de changer la couleur de leurs cheveux
en couleur rouge. Of course, in that way, you're not deceiving them. What? Ah oui, 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 oui. De cette manière-là, tu ne vas pas tromper les gens. You mean you are not deceiving them? You are changing the color anyway. Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Comment est-ce que tu dis que tu ne changes pas, tu ne le trompes pas? Mais tu changes la couleur de tes cheveux de toutes les façons. You're showing because you generally you color it if you got white hair. My friend, your what? Ah, puis, votre couleur là, bon, c'est une autre couleur, la couleur rouge. But he saw a man, he had a gray hair. He said to him, color your hair. Yeah, that's what I'm saying. Votre prophète avait vu un homme qui avait des cheveux gris. Et puis il a dit à cet homme-là, va mettre la couleur de tes cheveux. Va changer la couleur de tes cheveux. Ok, color your hair. Yeah, that's what I'm saying. Okay. Ah oui, c'est ce que je disais. So you are deceiving anyway. Leave him gray. Allah made you gray. Mais tu trompes encore les gens. Vous trompez les gens. Puisque il faut laisser la couleur grise. Que le cheveu soit gris. Puisque Allah vous a créé comme ça. So why you want to don't make it why you don't keep it gray? Pourquoi ne pas garder les cheveux gris? No, people will know that this person had gray hair. So okay. Les gens connaîtront que cet homme ici avait des cheveux gris. Non, mais il les a colorés. Non, attends. Tu es en train de me dire ici. We should not change the way Allah made us, okay? Tu as dit qu'il ne faut pas changer la manière dont Allah nous a créés, n'est-ce pas? Is having a gray hair, is it the way it should be? Avoir des cheveux gris, des cheveux gris, n'est-ce pas de la manière que ça devrait être? Why you need to change it? Pourquoi changer ça? Allah decides what is changing and what is not. Like what, no, what... Allah décide de ce qu'on doit changer, ce qu'on ne doit pas changer. You're a prophet. He forbid them from doing that, using a black color, because the Jews they used to color with the black color. That's all. Votre prophète avait interdit aux Arabes, aux musulmans, de ne pas changer la couleur de leurs cheveux en couleur noire, puisque les Juifs faisaient ça. Les Juifs étaient en train de changer leur couleur, ils mettaient le teint noir dans leur chevelure. That's it. C'est just tout. Because the Jews, they used to color their hair with the black. Tout simplement puisque les Juifs étaient en train de colorer leurs cheveux avec la couleur noire. So he said to them, "Ijtanibu sawad, don't color it black. So color it anything." Et il a dit de ne pas colorer leurs cheveux avec la couleur noire. Utilisez n'importe quelle autre couleur. Anyway, you are changing the color. Mais de toute façon, vous changez la couleur. So look at this prophet. Regardez ce prophète. He come with rules. And he claimed that those are from Allah. Il vient avec des lois, des règles. Il dit que ça vient de Allah. But if you think about it, if you have a little brain. Maintenant, si vous pensez à propos de ça, si vous raisonnez, si vous avez un peu de cerveau. What Allah business to make you to be upset for Allah if you have a black hair color, but if he is not upset if you make it red. Maintenant, quel est le problème de Allah? Il vous dit de ne pas changer telle couleur. Et Allah, il n'est pas fâché. Si vous mettez la couleur rouge, maintenant, si vous mettez d'autres couleurs, Allah se fâche. Où est le problème comment expliquer ça? Yeah, so he decides whatever is good, change the question. I think it's been 2 hours. Yeah, I think your show is about to finish anyway. So. Ah bon, il décide. Bon, on était là, bon, tu m'as montré tout ça. So, what do you mean? He's ordering to. If you don't want them to change, he should say to them, "Don't make it. Don't change it. Don't color it." Ah, qu'est-ce que tu veux dire dans tout ça? S'il ne voulait pas qu'il puisse changer, il devrait tout simplement le dire de ne pas changer la couleur, tout simplement. As you see, a man he came to him and he said to him, "Look, your hair is white. Cover it, man." Comme ici, on voit les hadiths. Il y a un homme qui est venu à Muhammad. Il a dit que sa chevelure, son cheveu changeait de couleur. Il a dit,
Va mettre la couleur. Va changer la couleur. In different hadith, even your prophet, he says, so your wife, she will like you. Il y a même un hadith où Muhammad dit que va changer la couleur de ta chevelure pour que ta femme puisse t'aimer davantage. Anyway, my friend, thank you for calling. Ah, mais, merci, mon ami, pour avoir appelé. On va montrer le hadith là, en français, que Christian Prince est en train de montrer. Ah, le hadith est là. C'est ce hadith, voilà. Sahih Muslim, numéro 21-02-B. Jabir ibn Abdullah a rapporté qu'Abu Qubaifa a été conduit à l'audience du Saint-Prophète le jour de la conquête de la Mecque et que sa tête et sa barbe étaient blanches. Des cheveux blancs. Oui, gris ou blanc. Comme l'hysope. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme l'hysope. Sur quoi le messager d'Allah, paix sur lui a dit: changez-le avec quelque chose, mais évitez le noir. Évitez la couleur noire. C'est ce que Muhammad a dit dans cet hadith. On retourne à Christian Prince pour terminer la vidéo. L'émission touche déjà à sa fin. Ok, on y va. And say hello to your sheikh. Maybe he can call us sometime if you have time. All right? Et dis bonjour aussi à ton sheikh. Il peut nous appeler quelque temps. Bon, s'il a de temps, il peut nous rappeler. OK? All right. OK, take care. OK, au revoir. OK, merci. Ça va. Alléluia. Là, c'était à la fin de notre programme. Que Dieu vous bénisse. Celui qui veut débattre avec nous, le numéro est là. Vous pouvez nous appeler. Ou bien contacter Christian Prince. Merci.